Et bonjour, 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 bonjour à tous. Je remarque que, attends, sur mon machin d'opening, c'est pas droit. C'est pas droit le ça va commencer. Yes. Bon, de toute façon, c'est pas un problème. On n'est pas forcément censé le voir très longtemps. Mais je réglerai ça en temps voulu. Je vais donc incessamment, sous peu, rejoindre mes joueurs et leur dire bonjour. Bonjour. Hello. Hello. Bonjour. Bonjour, bonjour. Comment ils vont les joueurs? Ils vont. Bien, si ça va. Ça va. Et comment va mon jeu? Fatigué, mais ça va. Oui, moi aussi. Bon. Voyons un peu vos cartes aventure. On a du goût. J'ai rien regardé. Apaisement. Jouer cette carte pour améliorer l'attitude d'un individu, d'un groupe, d'un groupe, d'un cran. Ouais, il faut en parler. Ouais, travail d'équipe. Tous les bonus de soutien sont doublés durant ce round et pour tous les personnages alliés. Pas mal. Voilà la cavalerie. Yes. De l'aide arrive, le MJ en détermine l'origine. Vous avez pas d'amis, qui vous aiderait? Bah si, on a le mec à qui on offre des bières. Ah oui. Oui. Et Yann, ouais. Et Yann, c'est pas un ami. Et sa fille. Bon, si. Oh, si. Et le domestique. Ouais. Mais le domestique, il sera déjà avec nous, je crois. Démétrius et Félicia, c'est des bons amis. Ou alors une armée de dragons qui vient à notre... Oh putain. Si les bébés dragons, ils ont entendu dire que ils ont raconté à toute leur famille étendue, putain, il y a des gens, ils nous nourrissent, ils sont gentils avec nous, venez tous. Bah déconne, mais au début il y avait que deux dragons, il y en a un troisième qui est arrivé pour les mêmes raisons. Pour les raisons susnommées. Oh là là. Qui va nous faire un beau petit résumé de la session précédente? Moi, je veux bien. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Ah si, on a rencontré Nakar, surnommé Sac à main. Yes. Affectueusement. Voilà. Qui a enquêté sur le même truc que nous, mais qui a été trop lent. Et ensuite, Félicia nous a dit « Oui, ce serait bien de retrouver mes, c'est quoi déjà le nom ?»« Les duplicata de ses actions. » »« Voilà, mes duplicata de mes actions, gna gna, parce que cette grognasse, elle ne peut rien faire toute seule. Donc, bah, on va devoir aller au bal masqué de Rufus la Galette, là, le mec... Arfur Mordier, pas Rufus la Galette. Oh, bah. J'étais pas... Ça ressemblait, hein. Rufus, Arfur, oui, effectivement. Et on va devoir aller lui chouraver les duplicata à un bal masqué, mais pour ça, il a fallu aller chercher les entrées au bal masqué. Donc, on a été voir Joe l'escroc. Harold l'escroc. On l'a un peu menacé pour qu'il nous donne les infos. Et il nous a dit qu'il avait vendu les derniers billets à une espèce de gros bourge. Comment? Étienne. Étienne le gros bourge. Donc non, on non, a pas été Étienne. Chez Étienne. Étienne. Nous avons donc été chez Étienne. Et il n'a pas voulu nous ouvrir. Donc on a crocheté la serrure. Et après, ils ont... Lui et sa domestique, là, ont pris en otage Astani. On est arrivés et on les a... humiliés. Marave. Non, on les a juste humiliés. On les a pas compris. Bon, je me suis assise sur Étienne. Étienne. Et il nous a dit oui, c'est dans le coffre, machin. Et ce petit fumier, il a voulu nous enfumer parce que le coffre était piégé. Mais on l'a vu. J'ai hésité à faire cramer sa baraque, mais finalement, c'était pas une bonne idée. Piégé. Le grand mot, un coup de masse, ça dépiège tout, hein. Un drame dans les quartiers nobles de Dorlem, en Sphéris.
Un noble et sa domestique a été agressé par un groupe de 3 individus, toujours en cavale. Pas de témoin pour cette scène, mais un voisinage bouleversé. Et après, bah, on est rentré avec les billets et du pognon pour chez Félicia. On a fait aussi les boutiques. Voilà. Salut Bilou. Il a dit bonjour les marchands de poissons. Bonjour. Je vois pas de quoi tu parles. J'ai une voix très belle. Ouais, moi très aussi. Belle. Mais il est frais, mon poisson. Il a dit marchand de poissons, le marchand de poissons d'Astérix. Oui, 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 on a la rêve, t'inquiète. Ah, mon médoc, il a fondu. Oh non. Merde, ça va être dégueulasse quand je vais le prendre. Yes. Excusez-moi. Oups. Oui, je voulais dire un truc à Gals, parce que lors de ton introduction, il me semble que je t'avais pas précisé toute la situation exacte de Félicia. En gros, tu sais que son mari est mort, qu'elle vous laisse venger. Et mais en gros, tu sais pas exactement tout de chez tout, mais en gros, son mari, il avait été... ils avaient découvert qu'il faisait partie d'un gang, qu'il essayait d'éponger des dettes qu'il avait accumulées en faisant des emprunts d'argent. Et sauf que là, du coup, justement, bah, Félicia, elle se retrouve avec toutes ses dettes qu'elle essaye d'éponger tant bien que mal. Elle a les solutions, mais ces solutions lui conviennent pas. La solution pour elle, la plus simple, ce serait de vendre l'entreprise qu'elle a, que son mari avait, à Mordierne. Mais bon, si elle fait ça, elle est juste à la rue. Donc là, elle essaye de se battre comme possible pour garder l'entreprise. Et pour ça, en fait, elle a des actions chez Mordierne, justement, qu'elle chercherait à revendre. Sauf que bah ces actions, ils sont pas valables parce que ces papiers ont été imprégnés d'encre et donc du coup juste elle peut pas les utiliser, donc du coup c'est pour ça qu'elle veut les duplicata. Que Mordierne possède. Et surtout qui tarde à lui donner hein ce petit fumier. Ah bah oui, parce que lui il la veut fumier. L'entreprise. Il veut le défoncer. Je suis sourd, moi comment aussi, ça je... Ah oui, bah bien évidemment que je suis sourd, j'ai perdu au moins une audition d'une oreille, Bilou. Oh, hé ! Ça va, hein ? Deux d'audition. Je comprends pas, ma voix est très belle. Moi, je suis d'accord. Belle, oui. Forte. Oui, bah comme moi, belle et forte. Yes. Eh bien, on va pouvoir commencer incessamment sous peu. Hop, je vous remets dans le manoir. Où vous êtes préparé pour El Bal Masqué, ohé ohé. Ah oui, traumatisant, Félicia. Voilà pour Félicia. J'imagine bien Nakar avec juste le loup juste sur les yeux en mode je suis masqué, personne ne me reconnaît. Et un nœud pape. Ah, t'auras tout un costume. Oh. Et nous, on est costumés en quoi? Bah, vous avez des belles robes. Bah, en soi, du moment que vous arrivez à cacher votre identité, vous pouvez être habillé. C'est de la merde pour marcher, les robes. Ouais. Bah, tu te démerdes, mais tu pourras y cacher tes dragons. Ah! Ah! Et du coup, va falloir jouer les proutes-proutes. Superman, personne ne le reconnaît. Oui, vous mettez des lunettes. Non, mais c'est bon, je mets un loup sur les yeux, Nakar, personne ne le reconnaît. Oui, c'est pas un glazard, ça se voit, hein. On reconnaîtra votre espèce, hein, ils sont pas dupes. Bon, attends, c'est des PNJ, ils sont forcément cons. Bah, je suis un peu d'accord, hein. Mais on a le droit d'amener des armes? Eh bien, justement... C'est la première question que je pose, hein. On a le droit d'amener des armes? Bien non. Ah non, mais moi je laisse pas mon canabo, hein. Oh. Oh, canabo. Oh, canabo. Non, bah, les armes sont proscrites. Mmh. Évidemment. Ouais, c'est bon, j'ai mes dragons. C'est bon, j'ai ma magie. Un dragon dans chaque main. Attention où je fais feu. Appuie sur la tête du dragon. Nakar, il va demander s'il y a un endroit où il peut être mis à clé, genre un coffre ou un truc qui peut pas être forcé. Oui, bien sûr. Parce que c'est quand même une arme ancestrale, il veut pas la perdre. Oh là là.
Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci pour ça. D'ailleurs, tout ce que vous voulez laisser ici, je peux vous les mettre à clé, dans un coffre. Enfin, sous clé, dans un coffre. Une arme ancestrale, c'est un bâton avec des clous, c'est bon. Et là, Nakar, il va se retourner, il va faire... Alors, c'est l'arme que mon ancêtre utilisait il y a 200 ans et qu'il a gagné l'arène de Volaris avec. Et elle se casse pas, non, parce que pas. Bon, 200 ans, les bouts de bois, ça craque au bout d'un moment. Je ne répondrai pas à ceci. Cette basse provocation. Je ne répondrai pas à cette provocation. Bah quoi ? C'est légitime de demander l'efficacité de ce machin ? Alors... Et là, il te bonque la gueule. Le bruit de batte de baseball de Smash Bros. Game. Alors, Nakar, il va expliquer que le bois, il a été traité justement pour ne pas... Et que tant que l'arme est entretenue, voilà, elle va pas partir en miettes, quoi. Est-ce qu'il se lance, du coup, dans des longues explications ? Ah non, longues explications, non. Il dit juste que tant que l'arme est bien entretenue, ce qui est le cas, elle partira pas en miettes. Ouais, bah je t'ai pas beaucoup vu la polir, hein. Lui polir le manche. Ouh. Quoi ? Rien. Non, je regarde Démétrius. C'est pas tous les jours l'entretien, c'est une fois par semaine. J'ai déjà fait cette semaine, je vais pas le refaire. C'est pas beaucoup. Bah quand une arme est bien faite... Je regarde toujours Démétrius. Oh mon dieu, les idées d'eau là. Juste, durant ces quelques jours que vous aurez passé après avoir eu le ticket, vous aurez quand même eu, de la part de Démétrius et ou de Félicia, des cours sur le bon comportement en bonne société. Ah. Oh mais putain, ils sont coincés les gens ici. Hein. Super. Je suppose qu'il veut éviter les allusions comme je viens de faire. Eh bien, oui. Mais après, vu que c'est masqué... Quelles allusions ? Les allusions sexuelles, Chaline. Ah. Ça fait des allusions sexuelles ? Oui, Chaline. Ah. Mais t'as un problème, la biquette. Mais non, tout va bien, t'inquiète pas. Enfin, voilà. Et je regarde Naka. Il va falloir lui faire quelque chose. Hein. Et donc, du coup, le baise-main... Je voulais juste regarder Naka et lui dire, tu vois, elle m'appelle la biquette et j'en fais pas tout un fromage. Fromage, biquette, c'est rigolo. Il y a une différence entre biquette et sac à main, quand même. Bah quoi ? C'est bien, les sacs à main, c'est pratique. Je suis d'accord. Quoi qu'il en soit, le temps va passer. Un long temps interminable pour Chaline qui va devoir supporter les blablas de Félicia. Au secours. Oh non. Et je vais pouvoir... Alors, juste avant, je vais regarder si j'ai bien tout préparé sur la... Ouais, il faut juste que je rajoute El Nakar. Where. Et El Démétrius qui n'était pas à la base prévue pour la soirée. Waouh. Where is he? Là, voilà. Et je vous mets sur la map. Mmh. Je précise que à partir de maintenant, c'est de la foule en pro. Ok.
Mais est-ce que j'ai bien mis, évidemment que... Oui, j'en ai mis, c'est bon. Donc, vous êtes en... vous voyez tous en haut à droite ? Oui. Mm-hmm. On voit là aussi. Donc bon, même si vous êtes masqué, vous connaissez la tenue de chacun, donc je vous mets pas de masque, hein. Vous savez qui sera qui parmi vous. Ouais, on voit là. Oui, c'est normal. Là, c'est une grande grille, et avec deux gardes. Ah, ok. Avec deux gardes ici, et puis deux autres personnes habillées avec leur masque, qui se présentent du coup devant les gardes, en montrant leur ticket, bien visible. Et ils passent. Oh, 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 oh. Je vais avancer. J'avance aussi. Oh, bonsoir. Juste, t'as fait quoi de tes dragons? Eh ben, ils sont sous ma robe. Ils sont sous ma robe. Je vais quand même te demander un jet de... Attends. Ouais, si subterfuge pour les... Ouais, subterfuge pour les cacher. Ben ça, ils sont dans leur sac sous ma robe. Oui, oui, mais quand même. Oui, oui, oui. Non, mais je précise. Ils sont bien cachés. Ils ont décidé de ne pas faire de bruit. Donc en fait, tu montres le ticket, du coup, et sans broncher, bah... Enfin, en fait, ils bronchent juste pas, et... C'est Félicia qui pourra dire, vous pouvez avancer. Oh oui, merci, Drucher. Nakar roule des yeux en mode « Oh mon Dieu, mais où est-ce que je suis tombé ?» Moi, je me cache, j'ai accepté ça. Hein. Bah quoi, faut faire la bourge, non? Oui, oui, bah oui. Nakar, lui, il dit rien, mais il est en mode « Oh putain, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc de bourge ?» Je regarde Chaline, puis je fais « Très cher, vous êtes très en beauté ce soir. » Merci bien. Donc je change la musique. Et je me retiens toujours de rire. N'en faites pas trop non plus. J'en fais pas trop. Moi je la trouve parfaite. Ça fait quand même un peu... exemple sur vous, très cher. Bon, ça faisait un peu sourire Félicia jusqu'à ce que tu dises ça. Par contre, t'abuses un peu, elle parle pas aussi fort Félicia. Au contraire, des fois, on l'entend pas. Oh, faut que je parle comme ça. Oh, tu l'imites mieux. Mais je préfère quand t'as ta grosse voix. Oh, et t'en imposes plus. Oh putain. Avancez, Dakar. Ah, voilà, c'est bon. C'est le pal des coins sauce. Oh, regarde. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. J'ajoute la main. Dakar, il baisse la tête en mode « Je ne suis pas avec ces personnes. » Bon, bah du coup, y a tout le monde qui te regarde. Attendez, deux petites minutes. Oh, la refaire, putain. Je t'en ai sous. Ouais, on attend, on attend. Excusez-moi, c'est mon papa qui me faisait un compte rendu de toutes les couilles qui viennent de nous arriver. Yes. RAS, il a de nouveau une batterie. Yeah. Ah, yes. Voilà. Donc j'aurais pas besoin de m'absenter. Nice. Ouais. Du coup, à ton bonsoir, Chaline, il y a tout le monde qui te regarde. Ouais. Dont une des invitées qui te regarde. Bonsoir. Oh, très cher, vous êtes magnifique. Oh, vous de même. Oh, merci bien, merci bien. Oh, c'est bon. Oh, mon Dieu, c'est un rassemblement de castafiores, nous sommes... Et Félicia qui est en mode, bon, d'accord, elle exagère peut-être pas tant que ça, finalement.
On est dans un rassemblement de castafiore. Est-ce qu'on a un éventail pour ça Vous pouvez en avoir un. Ah oui, bah moi j'en ai un pour me cacher à chaque fois pour pas rigoler hein, et pour m'éventer parce que je suis à la limite d'exploser de rire. Ah oui, non mais de mon côté, le geste est là. Hein, éventail à fond de balle, la main qui fait coucou. Et pour vous décrire un petit peu également... ici, bon, c'est marqué comme étant un kiosque, mais en fait, c'est plus une sorte de plateforme surélevée où il y a un groupe de musique qui y joue. Oh, cool! La musique que vous entendez, ça vient de là. Ok. Oh bah, moi, je suis focus sur la musique. Et donc, du coup, Chaline, oh bah, venez, venez! Alors, d'où nous venez-vous, très cher? Mais alors, je ne dois pas le dire, ça va le masquer. Oh, cela est vrai. Oh. Au secours. Je sais pas si... en fait, vous êtes parfaits tous les deux parce que vous les imitez tellement bien. Tous les deux, c'est un truc ouf. Dakar ne bouge pas et regarde autour de lui voir s'il peut s'échapper. Cela est-il vos amis qui se trouvent juste derrière vous? Oui, tout à fait. Elle va dire, invitez donc ce beau jeune homme dans sa tenue, je sais pas quelle couleur il est, mais elle vise Dakar. Il a très envie de danser, mais il est timide. Non, ça ira. Oui, vas-y, on t'en prie. Vas-y. Oh, c'est bon. Il va s'avancer jusqu'au kiosque et faire mine. C'est de la bonne musique. Hein. Attends, je rajoute un petit truc. T'es génial, c'est parfait. Alors, je suis en full impro et je sais pas exactement quoi faire. Hein, donc, juste Félicia qui viendra vous voir. Bonsoir, très cher. Oh, bonsoir. Je ça se présente, ça te dit des banalités. Il fait beau ce soir, quelle belle soirée. Bah oui. Oh, les oiseaux qui gazouillent, c'est très appréciable. Oui. Oh putain, qu'est-ce qu'on s'en branle. Moi, je garde un œil sur vous, mais genre, je reste à l'écart. Hein. Et il y a juste Félicia qui vous dira, n'oubliez pas pourquoi vous êtes là. En chuchotant dans ton oreille. Je la regarde en mode, t'es sérieuse, tu crois que je m'éclate là? Nous allons aller nous sustenter au buffet. Bonne soirée à vous, mesdames. Messieurs, dames. Vous aussi. Eh bien, moi, je vais aller chercher les commodités pour me repoudrer le nez. Oh, savez-vous où elles sont, très chères? C'est quoi les commodités? Les toilettes? Les chiottes. Oh, je n'ai pas eu l'occasion de demander, mais ce me semble-t-il qu'elle se trouve à l'étage. Oh, très bien, je vais voir, merci beaucoup. Tu as besoin que je t'accompagne, je n'aime pas te laisser seule. Oh oui, nous ne serons jamais assez de deux pour nous repoudrer le nez. C'est horrible. Bonne soirée, très chère. Bonne soirée. Même. Oh mon dieu. C'est affreux. Je laisse Gals agir s'il veut faire quelque chose. Ouais, il va voir ce que vous faites et il va suivre discrètement en mode... Parce que il se doute bien que vous essayez de trouver les trucs. Oh putain, parler comme ça me fait bailler. Il avait juste pas envie de voir les autres là. Bande de bourges là. Qui ont jamais bossé dur de leur vie. C'est un loup ça? Ouais, c'est un des gardes.
Vous a fait un cours, Félicia vous aura fait un cours d'ailleurs sur eux. Ils ne parlent pas et ils sont plutôt violents. C'est pas grave. Je vais faire comme si je ne savais pas. Pardonnez-moi, mon brave. Savez-vous où sont les commodités, s'il vous plaît? Il ne bouge pas tel le soldat de la garde royale anglaise. Il n'a pas dû m'entendre. Pardonnez-moi, mon brave. Veuillez m'excuser, damoiselle. Oui. Oui. N'êtes-vous point au courant au sujet de ces messieurs les gardes? Ah non, de quoi? Oh, ces merveilleux Loenki en charge de la sécurité ont une formelle interdiction de parler, mais sont de redoutables... La vache. Il fallait vous coucher, monsieur, hein. Sont de redoutables gardes du corps. D'accord. Pardonnez-moi, mon brave. Savez-vous où sont les commodités, très cher? Oui, bien évidemment. Vous... c'est par où déjà? Oui, vous prenez l'entrée principale ici et l'escalier sur votre... il y aura une porte sur votre droite, puis un escalier ensuite sur votre droite qui mène à un couloir... et il faut que j'aille sur une autre map ensuite, mais ça, je vais monter les escaliers. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Deux fois à droite. Merci. Après avoir franchi l'entrée principale. Merci, très cher. Sa mère. Au secours. Allons-y, très cher. Oui, allons-y. Mais enfin, il n'y a pas de quoi. Oh, et notez bien que si vous voyez ces gardes Loenki, il y a forte chance que l'accès y soit interdit, s'ils sont devant une porte. D'accord, d'accord, oh. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Et je lui fais mon plus beau sourire. Oh, sa mère. Tu me fais bailler, Ruru. Au secours. Mon Dieu. Je fais exprès de passer entre les gens, là. Et je me la pète à fond de balle. Bon, enfin, pour qui se prend-elle? Oh, pardon, pardon. Mais cette voix, putain. Mais quoi, ah, vous aimez pas mes dons? Je regarde un peu les musiciens et leurs instruments. Ouais. Violoncelle, violon... que des trucs de bourgeoisie. Non, mais c'est juste que, déjà, de base, Yarel, j'ai du mal avec les proutes... les proutes... mais c'est ça qui est là. Ta session, Gals. Ah, là, c'est puissance 1000, c'est... Ça va, et encore, il manquerait plus qu'il y ait une pétasse, quoi, qui arrive, hein. Ah ouais, ce serait trop bien. À l'aide. Nakar dans sa tête. Au secours! Au secours! Envoyez de l'aide! Je veux me battre, moi, je veux pas être chez les bourgeois! T'as cru qu'on voulait y aller aussi, nous? C'est de l'infiltration! Oui! Faut bien être crédible! On peut s'infiltrer en volant, en passant par une fenêtre aussi. Mais tout le monde ne vole pas. Ouais. C'est vrai. Ça n'avance plus ici. On avait dit c'est par là. Oui. Loupi, tu n'avances plus. Oui, pardon, j'envoyais le lien du JDR sur mes réseaux sociaux. Elle fait la pub. Ouais. Rate cette robe des enfers. En tout cas, tu es parfaite. Hein. Au secours. Ouais, je sais, mais écoute, je te trouve vraiment parfaite. Hein. Ce costume me gêne. Alors, avant que vous ne fassiez quoi que ce soit, ceci est une fenêtre. La porte est ici. Ah, d'accord.
T'as bien fait de nous le dire. Ouais. On passe par la fenêtre. On traverse la fenêtre. Y a personne hein, qui garde la porte, on peut rentrer. Hein. Oui, oui. Vous pouvez y aller. Il y a peut-être de la bouffe, faut en profiter. Mmh. Oula. Donc oui, ceux qui sont à l'intérieur que vous voyez avec des petites fioles, ce sont des serveurs avec des plateaux, avec des petits amuse-bouches, vous voyez, et des coupes de champagne. Mmh. Ah merde, il n'y a même pas moyen de se faire un sandwich pour vraiment un truc à bouffer. C'est la réaction de Nakar, hein, pour de vrai. Alors je refais mon petit cinéma. Bonsoir, bonsoir. Et celle qui a une petite aile ici, c'est une dame avec une magnifique robe en plume. Oh. S'il y a un truc rajouté en plus dessus, c'est que c'est... Il doit y avoir quelque chose à cette madame. Ah, des plumes. Et oui, d'ailleurs, en plus de son magnifique manteau de plume, elle a de magnifiques paires d'ailes. D'accord. Il va sans dire qu'il s'agisse d'une mescadène. Une mescadène Evne, qui a deux ailes dans le dos. Et personne répond à mon bonsoir ? Donc si, effectivement, il y a quelques... Enfin, beaucoup, bah, presque tout le monde se retourne, effectivement. Et tu as quelques « Bonsoir, oh, cette robe vous a ravi, etc. » Mais en soi, c'est plus, ils sont plus concentrés dans leur propre conversation. Mmh. Bah, moi, je fais une petite révérence. Pour ma part, je vais aller laisser traîner mes oreilles partout en sirotant un verre et en mangeant des amuse-bouches. Je suis en train d'imaginer Soufi qui remonte jusqu'entre les seins. Nakar, il va récupérer à bouffer aussi et il va se mettre dans un coin en mode j'observe tout. Je suis la nuit. Je suis la nuit. Je suis la justice. La nuit a mal. Je suis allée prendre à voir aussi à lui. Et puis je vais me mettre là. Ok. Eh bien, tout le monde parle de tout et de rien, de la pluie, du beau temps, des rumeurs, enfin des rumeurs, vraiment pas des rumeurs très importantes en soi, du petit canard du lac. J'en profite. Savez-vous que la comtesse machin truc a eu une aventure avec le comte Bidule Chouette? Ah oh non! Est-ce vrai? Ouais, des rumeurs de ce genre-là, voilà. Oh, écoute. Félicia nous a appris plus ou moins des noms de nobles à retenir. Genre, dire Étienne, vous avez appris que Étienne avait été agressé dans son... Ah oui, ça va y avoir des blablas là-dessus. Oh, c'est horrible! N'avez-vous pas entendu les dernières nouvelles très chères? Il semblerait que le marchand Étienne, comment il s'appelait? J'ai juste retenu son prénom, je suis désolée. Étienne Melton a été victime d'un braquage alors qu'il se trouvait chez lui. Elisa? Ce sera un groupe qui se trouve par là-bas. Ok. Oh, je vais écouter. Et me rapprocher. Oh, vraiment? Mais c'est abominable! Ah oui, n'est-il pas? Que s'est-il passé, ce pauvre Étienne? Eh bien, il semblerait qu'il y ait trois individus qui se soient pénétrés dans son établissement et qu'il l'a braqué sauvagement et qui est parti avec son or. Oh, mais les gens sont fous! Nous ne sommes plus en sécurité nulle part. Les rumeurs courent qu'il viendrait de la basse ville. Oh, cela m'étonne pas. Oh, la police ne fait pas très bien son travail. Ah, oh, ça, c'est sûr. Ouais. À qui le dites-vous, mon bon ami? Mais enfin, à vous. Oh,
Oh, ce pauvre Étienne, un homme si charmant. Oh, vous le connaissez? Oh, et bien de vue, comme tout le monde. Avez-vous déjà eu affaire avec lui dans le passé? Oui, tout à fait. Oh, pour quel genre d'affaire? Cela n'est pas trop indiscret, bien évidemment, madame. Oh, bien sûr que c'est indiscret, très cher. Au secours. Mort. J'en veux plus. Et donc, on a appris des trucs à propos des nobles. Enfin, leur nom, je veux dire. J'en ai pas sous les... Non, mais est-ce que Félicia nous en a donné? Après, on s'en fout. Si oui, oui, après, oui. Ah bah du coup, je vais commencer à bullshit. Et à dire, d'ailleurs, je baisse un peu la voix, pour être mystérieux. Savez-vous que ce cher Étienne aurait eu une relation avec la comtesse truc machin? Non. Aussi, je l'ai entendu de la cousine du frère de Bidu. De la demi-cousine de la sœur par la tante. Oh. Oui, c'est ça. Oh. Bien. Très, très bien, très bien. Intéressant. Je m'en vais de ce pas à aller le répéter à tout le monde. Soyez discret. Il ne faut pas que ça s'ébruite. Bien évidemment. Et en vrai, pendant à peu près 30 bonnes minutes, je vais faire groupe après groupe pour leur bullshiter des trucs. Random, genre truc, a fait des machins avec bidule. Il semblerait que Joséphine soit enceinte d'un roturier. Enfin, que de la merde comme ça. Oh mon dieu. Et puis quelques petites rumeurs sur Félicia. Oh. Oh non. De quel genre les rumeurs? Eh ben, plutôt de façon à ce qu'elle soit admirée. Oh. Genre, la pauvre Félicia qui a perdu son époux à la tête haute et fait tout pour sauver son domaine, machin bidule, tu vois. Que les gens soient admiratifs. Oh, c'est vraiment une femme courageuse. Oh oui. Il lui arrive tellement de malheur à cette pauvre petite. Bien sûr. Vous devriez aller la voir pour la réconforter. Une femme avec tant de courage mériterait quelques dons de la part de certains de ses collaborateurs. Tout à fait, tout à fait. Parce que si elle se rend plume, ça veut dire qu'on sera mieux payé. Rien n'est gratuit avec Chaline. Bon, voilà. C'est à peu près ce que je vais faire pendant une petite heure. Pour les deux autres. Dans le bal, et comme ça, je laisse les autres. Nakar, il a piqué trois plateaux avec des petits amuse-bouches. C'est ça, il pique les plateaux avec les amuse-bouches parce que, genre, ça se mange, mais ça nourrit pas, quoi. Il a faim. Il fait faim, merde. Et quand va être le repas, mon dieu. Il fait faim. Et enfin, monsieur, c'est le repas. D'accord, regarde le plateau. Regarde le reste du truc. Regarde le plateau. Et il va soupirer. Je te vis. Bon, il va continuer dans son coin, du coup. Et Astani? Moi, au début, j'aurais observé un petit peu tout le monde et puis je me serais mis à danser un peu toute seule en attendant voir si quelqu'un m'invite à danser, en attendant d'aller me repoudrer le nez. Alors, voyons ça. Je me lance des petits dés. Personne pour le moment. Très bien. Moi, bon, je continue de danser un peu toute seule. Et j'observe comme ça un peu tout le monde.
Jusque-là, c'est assez calme. Il y a des gens qui font des allées et venues par-ci, par-là. Mm-hmm. Les serveurs, surtout par-ci et par-là. Ok. Puis pareil, hein, sur l'entrée principale, il y en a qui montent, qui descendent. Ça discute de partout. Moi, je serais aussi allé faire mon cinéma dehors, avec les gens dehors. Forcément. Non, en soi, la soirée est dans un ennui. Ah bah. Oui, tu m'étonnes. Ville de Bourg, comment ça pourrait être autre chose qu'un ennui? Il y a juste Démétrius qui aurait été voir Astani en disant que c'est pas ici qu'il faut danser, c'est plus vraiment dehors, devant le kiosque. Ah, oui, mais bon, on a aussi une mission, alors j'observe un peu les alentours, tu vois pas? Une danse. Et du coup, il est à côté de moi, c'est ça? Oui. Bah, je le chope. Ah. Oh, j'aurais moins l'air conscience avec toi toute seule. Oh. Bien, allons dehors, alors. Je pourrais pas observer dehors. Il y a des fenêtres. Ok. Oh, le dans le buisson. Je serai avec Démétrius, du coup. Eh bien, il te suit. Mais quoi, attends? Je vais t'en donner le contrôle. Oh okay. Voilà. Merci. Chaline, elle est toujours là? Oui, je serais aussi allée dehors pour répondre mes petites rumeurs, là. Mmh. Mais j'essaye de te faire un signe comme quoi, c'est... Enfin, je vais pas m'amuser, hein, je suis toujours dans la mission. Oui, oui. Necker, lui, il est dans son coin. Il est sérieux. Il boude. Il aime pas les trucs du genre, ça se voit. Bon, à partir de là, on peut danser? Oui. Eh ben, fais-moi danser. Il y en a quelques-uns qui dansent d'ailleurs, et bon bah, on sera peut-être plus ici. Ok. Et puis ça, il commence à te faire une valse. D'accord. Une valse à mille temps. Ça va trop vite, j'observe. Et bah tiens, je vais lui faire un petit jet pour savoir à quel point il danse bien. Et à quel point il te fait bien danser. Il me marche sur les sabots. Non, il te fait bien danser. Ok, ça marche. Tu peux faire si tu veux un jet de performance pour savoir si tu suis bien. Et bah moi, je marche dessus. Oh, tu devrais savoir danser quand même. C'est un bon jeu de performance, bon. J'ai rien dit. Pas vraiment, non. Tu marches un peu sur les pieds, effectivement, de temps en temps. Vu que t'es un petit peu concentré ailleurs. Ouais. Mais il essaye de te reprendre en même temps, donc... t'as pas grand-chose à faire en soi. Juste à le suivre. Ok. Très bien. Nakar, tac. Lui surveille. Bah en tout cas, je suppose que tu te sers très souvent sur le plateau d'un des serveurs. Bah dès qu'il y a un plateau qui passe, je chope un truc à grignoter quoi. C'est, il va pas non plus aller, il va pas faire non plus, hop, prendre un plateau et revenir. Mais genre, dès qu'il y a un serveur qui passe à proximité, il sort du coin où il est, il chope un truc à grignoter et il retourne à son coin, quoi. Ok. Et il observe bien pour essayer de voir quand est-ce que le maître des lieux apparaît. Et surtout, d'où il vient. Parce que d'où il vient, ça indique dans quelle direction peut-être il y a les trucs à récupérer. Mmh, pa, 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 pa.
J'ai une question. Oui. C'est à l'étage, ça, ou sur le rez-de-chaussée? Où ça? Là. C'est le rez-de-chaussée. Tout ce que tu peux voir, là c'est le rez-de-chaussée. Ok. J'arrive à deviner que c'est un bureau? C'est pas un bureau. C'est un plus bureau. Un petit salon. Un petit salon, ok. Il y a des gens qui sont dedans ou pas? Est-ce qu'il faut que je passe un jet de perception En soi, je te demande pas spécialement de jet de perception, puisque tout ce que tu verras sur la map, tu le verras avec ta perso. Mais bon, si tu te déplaces un petit peu, par exemple, ouais, okay. Vu que tu danses... D'accord. Ouais, s'il y a des gens, ok. Et pour la faire courte aussi par rapport au maître des lieux, pour répondre un peu à Gals, ça a été plus ou moins dit avant que vous arriviez qu'il y a de fortes chances qu'il soit dans la foule lui aussi masqué. Oh merde. C'était sûr. Mais bon, je pense que... Pourquoi lui n'a pas de... Hop là. Mais du coup, il n'y a pas de trucs qui apparaissent, disparaissent, ou un truc du genre. Enfin, des gens qui vont dans une salle qui sont pas censés aller, revenir. Bah, en soi, toutes les portes qui sont pas gardées, elles sont généralement utilisées un peu par tout le monde. Ah. Est-ce que Félicia nous a dit. Nous a fait la mention d'une noble à plumes, là? Non. Mais je peux vous demander un petit jet, si vous voulez, de... Ouais, non, pas besoin de jet de réseau, parce que les manteaux de plumes, c'est généralement très, 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 très cher. Et ça se trouve, c'est lui qui est déguisé en bonne femme ailée, là. Bah, peut-être que le maître des lieux, c'est le maîtresse des lieux. Ah bah non, puisqu'on est... Je suis con. Non, j'ai rien dit. Ou alors c'est sa meuf. Meuf. Bon, quand j'aurai bien bullshit à droite à gauche, j'irai là. Où ça? Elle a franchi la porte. Nakar, l'air de rien, il va suivre. Je salue ces deux-là. Bonsoir. Il va récupérer un truc au passage. À grignoter. Bonsoir. Et bien sûr, à chaque fois que je vais croiser quelqu'un, je vais glisser une petite rumeur de merde. Ok. Et de temps en temps, des... Après, je répète aussi certaines de mes rumeurs, hein, évidemment. Mm-hmm. Histoire qu'on pense que c'est vrai. Et de temps en temps aussi, je ressors Félicia, quelle grande dame. Mais pas trop. Juste une ou deux fois, tu vois. Ouais. Histoire de... Bah, ça arrive d'ailleurs que certaines de tes rumeurs, tu les réentendes de la bouche de certaines personnes. Oh, j'adore. Bravo. C'est trop... Oh, je vais foutre la merde chez les bourges. C'est trop bien. Mais tu fais trop, quoi. Oh, ça me fume. Je vais aller par là, voir. Oh. Un petit salon avec deux autres nobles qui ont l'air de discuter affaires, eux. Oh, bonsoir. Je vais dire messieurs, mais on n'est pas censé savoir que c'est messieurs. Bah si, il y a les vêtements, justement, qui déterminent le genre. D'accord. Dakar reste à la porte. Bonsoir, messieurs, excusez-moi de vous déranger. Oui, plaît-il. Que souhaitez-vous, madame? Excusez-moi, je suis perdue, je cherche les commodités. Elles sont juste à l'étage. Ah, ce serait bien. Vous prenez l'escalier qui se trouvera juste à votre gauche en sortant. Oh, je vous remercie. Et pardon de vous avoir dérangé. En fait, saviez-vous que... Machin truc. Et moi, pourquoi? Non, non. Oh, vraiment?
Mais oui, nous ne sommes pas intéressés par tout ça, nous discutons affaires avec monsieur. Oh, pardon. Bah, si vous parlez d'affaires, je peux vous dire que les affaires d'Étienne vont très mal. Je sais, c'est moi. Non, je... Salope, je t'ai reconnu. Non. Il y a bien un moment où quelqu'un va me dire, mais c'est moi, qu'est-ce que vous racontez? Bon, du coup, je les laisse tranquilles. Oh, pardon, très cher. Et puis, du coup, je vais là. Ah, bonsoir, et je refais mon speech. Bon, Dakar, lui, il reste juste derrière en mode... au cas où elle tombe à un endroit où elle n'est pas censée arriver et qu'il a besoin d'aide. Bonsoir, donc, madame. Je refais mon speech. Oh, les commodités, je suis perdue. Et saviez-vous juste que petite fumeur... Voilà, mais voilà, c'est juste pour dire que globalement, je fais toujours le même bordel. Je vais retourner un peu vers Astani quand même, qui continue de danser. Ouais. Et à chaque fois qu'il y a des morceaux qui se terminent, ça applaudit. Je regarde Démétrius, t'as une idée de qu'est-ce que ça pourrait être là-bas, vous regardez ? Bien, aucune idée. T'es jamais venu ici ? Bah non, on n'y vient pas tous les jours ici. Non mais je demande, c'est une question Démétrius. Oui mais non, on n'y est jamais allé. Je retrouve Chaline, faut vraiment qu'on se mette à enquêter. Il y a possiblement besoin peut-être que vous fassiez diversion si... Vous entendez que ça cafard un homme un petit peu de temps en temps. Je peux compter sur toi. Oui, enfin, je peux essayer. Oh, je te fais confiance. Je chope le bras pour qu'on retourne à l'intérieur. Je suis d'une douceur. Doucement. Ah merde, je l'ai plus chopé. Hop, voilà. Je pense que peut-être si elle tend l'oreille, elle peut entendre ma gracieuse voix. Non, parce qu'il y a quand même un grand brouhaha avec beaucoup de gracieuses voix, justement. Énorme. Je le regarde juste et puis je lui fais signe que je vais par là. Très bien. Oh, avez-vous entendu parler de Félicia, cette grande... Oh, quel courage, celle-là, cette dame. Oh, oh, oh. Oh, c'est ce que j'entends. Ouais, il y a des blabla comme ça. Ça commence. It's begin. C'est trop bien. Oh, bah du coup, je vais me rapprocher. Oh, vous aussi, vous avez entendu parler de l'histoire de Tien. Oh oui. Oh, pauvre, mon homme. Dieu. Oui, le pauvre. Il n'a pas le courage de Dame Félicia, hein. Oh, non, en effet. Devoir supporter encore son deuil. Oui, effectivement, c'est... C'est horrible. Oui. Oui. C'est pas obligé de rigoler, connasse. Vous deux, je vais vous changer de map, ne bougez plus. Excusez-moi, je dois aller me repoudrer le nez. Alors... Tac, tac... Alors. Ça m'a fatigué la voix de la bourge. Tu m'étonnes. C'est là que ça va être drôle parce que je vais devoir osciller entre deux maps. T'inquiète, je vais partir de cette map là moi donc. Ok. Du coup, Chaline et Nakar, vous êtes à l'étage pour le moment. Vous voyez un petit couple de... Enfin, un petit couple de femmes, qui discutent. Oh oui, Eh ben, on va recommencer le bullshit, hein. Je dirais juste une rumeur, et ensuite je vais aller là-dedans. Attends, parce que j'étais sur l'autre map. Tu vas où? Là. Ah, ici, ok. Il semblerait que ça soit une petite chambre. Ouais, je vois ça.
J'attends que Naka rentre. Ok. En fait, il est rentré dans une autre pièce. Ah. Yop. Pardon. Je suis parti du bon côté. Wow. Et je lui fais signe de fermer la porte. Et ouais, je demande juste à Nakar un petit jet de perception. Ah, de la perception. Enfin, quelque chose qui ne soit pas du bullshitage. Et du truc de bourge. Perception. Trop bien. Oh, 25, c'est bien. Oh, en fermant la porte, tu entends un petit chuchotis-chuchota des deux femmes qui étaient là à côté. Oh, voilà deux qui vont s'amuser. Et quand on va repartir, c'était rapide. Nakar, il va rouler des yeux, il va dire, putain, les bourges, j'y crois qu'on va... On va faire des choses. Oh. Après avoir fermé la porte, tu sais, histoire qu'on les entende pas. Mais c'est ce qu'on va faire, je t'aime. Ah maman. Et c'est si on s'amusait, je suis sûre qu'elle nous écoute. Quoi? Je suis sûre qu'elles écoutent à la porte. C'est des bourges. Justement, c'est des mecs à commères. Bah oui, mais elles vont pas écouter à la porte. C'est pas une attitude de bourge. Je le regarde en mode, t'es sérieux? Bah j'en sais rien, moi je suis pas bourge à la base. Eh ben je te le dis, elle va écouter à la porte. On a qu'à faire semblant. Ah, on pourrait juste ouvrir la porte et les prendre dans l'acte aussi. Allez, ça va être drôle. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Prends les chaises et on les fait bouger pour faire du bruit et faut crier. Quoi? Comme ça. Et je commence à claquer la chaise. Genre clac, clac, clac. Et là... Ah oui! Astadi, toi tu montes à l'étage, c'est ça? Oui, bah oui, oui, parce que moi j'ai retenu que c'était à l'étage. Je salue à chaque fois les gens, hein. Je fais la petite révérence. Nakar, il fait clac, 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 mais il fait pas le... Il fait bouger la chaise, mais il fait allez, pas allez, grogne, grogne. Ah, mais c'est pas vrai. Grogne. Astani, perception. Il grogne, mais d'exaspération, lui. Il grogne de façon exaspérée. Tu entends du coup, en plus de voir les deux commères qui sont à la porte, qui écoutent un petit peu. Oh, ça s'amuse bien à l'intérieur. C'est sûr. Et tu entends effectivement les ah oui ah et des grincements de l'autre côté. Je lui fais signe de continuer à bouger les chaises et je vais un peu fouiner la pièce pendant que je continue de crier. D'une main, Nakar, il se cache les yeux en mode « Ah, oh, putain, pourquoi je fais ça ?» Et de l'autre, il continue à bouger les chaises pour faire du bruit. Nakar est en train de repenser ses choix de vie, quand même. Questionne ses choix de vie, au secours. Ah oui, non, mais là, il y a de quoi, là. Alors moi, je m'évente et je regarde les deux nanas qui écoutent. Oh, bonsoir, madame. Oh. Vous arrivez au bon moment, un joli couple est en train de s'amuser dans la chambre si sous-jacente. Mm-hmm. C'est ce que j'ai cru comprendre. Mais belle tenue tout de même. C'est à moi qu'elle dit ça? Oui. Ah, oh, merci. Je cherchais des commodités. Oh, elles sont juste ici. Oh, merci. Il y a marqué toilette. Je ne sais pas lire. Bah oui, je sais peut-être pas lire. Oui. Je rentre. Et bon, c'est des toilettes plus modernes que sur l'image, hein, oui, évidemment. Oui. Avec eau courante. Et la chasse d'eau, bien évidemment. Mm.
espèce de garde à côté. Là, je me demande qu'est-ce qu'il garde. Je les entends, les autres, là, faire du bruit encore, là. Oui. Et Astani, je vais pas te demander de jet de recherche, puisqu'en soi, c'est juste ici une petite bibliothèque avec quelques bouquins. Quelques petits. Chaline, pardon. Oui. Quelques romans en tout genre. Rien d'intéressant. Rien d'intéressant. Bon, bah je retourne près de Nakar. Je dis, bon, t'es prêt pour l'orgasme? Oh. Allez, va falloir crier, là. Oh, je suis dead. Nakar, il est mort, là, intérieurement. Et juste après, tu ouvres la porte, tu vas voir qu'elles sont là. Vous demanderez quand même un jet de performance à vous deux. Tu m'étonnes. J'en ai pas, moi. Je vais pas faire des superfuges. Ça sera performance ou persuasion. Mais la performance sera quand même plus adéquate. Bah, persuasion, ouais. Pour moi. Yes. Le truc qui va pas être convaincant du tout. Ah On dirait qu'il s'est cogné l'orteil, tu sais. C'est ça. Et bon, bah moi, je fais un bruit d'orgasme que je ne vais pas faire. Hein, parce que... Et pourquoi pas? J'ai mes limites. Oh, c'est plus de 18 ici, tu peux. Ouais, bof. Surtout s'il y a mon frère qui écoute. Ah, il est parti. Il est parti. Non. Il répond pas. Mais il y a un spectateur, on sait jamais. Bref. Ça va peut-être le réveiller. Et une fois qu'on a fait semblant de jouir, j'ouvre la porte d'un coup. L'ouverture de la porte d'un seul coup. Donc, juste perception quand tu ouvres la porte. Moi aussi. Oh. Oh. Oh, la vache. Oui, toi aussi, du coup, Nakar. Oh, la vache. Je suis perceptif. Ok, donc en fait, en ouvrant la porte, bon, je sais pas trop pour Chaline comment l'interpréter, mais en gros, il y aura une des nobles qui, tu l'aurais vu, c'était genre, elle venait de se précipiter, genre, là, il s'est rien passé. Et moi? Non, c'est ce que tu as vu, toi. Ah, pardon, d'accord, mais du coup, Chaline, elle a rien vu, elle. Non, Chaline pensait qu'il fallait pousser la porte alors qu'il fallait la tirer. Ah, du coup, on a perdu de précieuses secondes pour les choper dans l'acte. Ouais. Enfin, Chaline, surtout, qui a tiré la porte. Toi, t'as pu bien voir, justement, que... Oulalalala. Du coup, je dis à Chaline, t'avais raison, vas-y, écoutez. Il fait un gros smile, et puis après... Oh là là, allons nous repoudrer le nez, cette vue était magnifique. Oui, magnifique. Gros smile. Les toilettes sont ici, mais elles sont occupées. Oh. Oh. Et qu'y a-t-il ici? Oh, bah la salle secondaire. Très bien. Je vais... Je me mets à côté de la porte... J'entends pour les toilettes! Est-ce que je reconnais toi? Bah oui, oui, quand même, oui. Ouais, je sors. Oh, c'est vous, très cher! Yeah, comment on se retrouve? Nakar se met la main sur les yeux en mode ah non, il a fallu que ce soit ça. Oh! Je vous en prie, je vous cède la place! Merci bien! Pouvons-nous continuer notre soirée tous les trois? Oui, bien évidemment! Oh, parfait! Je vais aller dans les chiottes, je vais attendre un peu.
si jamais Missou et Gels veulent parler, ou les grognas. Bah, les grognas, justement, elles font un gros sourire à Nakar, genre champion, quoi. Nakar, bah, s'il pouvait rougir des écailles, il rougirait, mais c'est des écailles. Je le regarde et je la regarde. Il est timide, mais performant. Oui, on a entendu. Alors, il va juste... tu sais, que comme quand tu... Tu sais, il prononce pas les mots, mais il les fait avec la bouche en mode... Mais qui ne rajoute pas. Mais ça vient des yeux. Je suis une connasse. Oh, monsieur, faut avouer que vous n'étiez pas non plus très discret. Et madame non plus. Oh. Et vous, par contre, la discrétion et écouter aux portes, vous allez... ça a pas l'air de beaucoup vous déranger. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Je vous ai vu partir quand la porte a été ouverte. Allons voir ce qui se passe. Il doit y avoir des hors-d'œuvre en bas. Allons voir ça. Oh, bonne soirée, monsieur. C'est ça, oui. Hop, tac, tac. Et je ressors. Bon, nos amis sont partis. Oui. Bien, venez, vous deux. Merci. Je le regarde un instant, lui. Et comment la porte qui garde? Bah comme toutes les autres portes. Ouais. C'est de l'acajou massif sculpté à la main. Non, mais il y a du monde là. Tu sais jouer quoi, Stani, comme instrument? La lyre. Techniquement, tu sais un peu tout jouer avec le dé, mais. Mais oui, voilà, je connais le solfège. Polyvalent. Nakar lui chope une. Il chope plusieurs petits fours en mode... Ah oui, parce que oui, d'accord, il y a... Mais c'est surtout chanter mon truc de prédilection. Mmh. Je vais te faire signe. Mmh. Oh, tu peux pas aller... Tu veux pas aller jouer un truc et chanter, là, pour détourner l'attention? Oh, si. Mais ça va aller. On sait même pas où est-ce qu'on doit aller. Ah, je sais pas. Ok, écoute, on va faire un truc. Attends, je vais y aller. Si jamais vous avez un souci, t'envoies Sophie me retrouver. Ok. Ok. Sophie en mode mission impossible. Mais c'est parce que c'est celui avec lequel j'interagis plus, donc du coup, je sais qu'il viendra plus facilement à moi. Tin, 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 tin. Bon, je vais lancer les rumeurs au groupe, hein, comme d'hab. Ouais. Et ensuite, j'irai par là. Membre des domestiques. Membre d'amis. Donc Astani, de ton côté, toi tu chantes et tu joues? Et je joue, oui. Tu pourras faire un jeu de performance. Alors si tu fais un mauvais geste, ça ne veut pas dire que tu joueras mal, juste que tu n'auras pas l'attention de tout le monde. Ou de certaines personnes. Enfin, tu joues plutôt bien. Il y aura quelques personnes qui t'écouteront jouer et chanter. Très bien. Et à chaque fois que tu termineras des morceaux, ça applaudira. Oh, bravo, ben, bravo. Au prochain morceau, je dirai « Je vous en prie, dansez donc !» Et puis, je commencerai mon nouveau morceau. Yes.
Et ben justement, il y en a qui s'exécuteront et qui danseront. Nakar, toi toujours... Il surveille, il garde un œil quand même parce que là, ils seront, là il y a une porte là. Ce qui est bizarre, c'est que là, il y a un garde qui ne garde rien. Bah, il regarde juste, il fait la sécurité. Et il y a l'autre qui surveille, mais il... enfin, on est à l'étage, il y a de fortes chances que ce soit par là, tu vois, un endroit où ça bloque carrément un coin du manoir. Il surveille en fait ce que fait le Loenki. D'ailleurs, pareil, y a souvent des serveurs qui font des allées et venues par là-bas. Ouais, donc c'est suspect, quoi. Et en parlant de serveurs, il y aura celui-là qui, à un moment, va renverser son plateau. Ah. Et il a l'air au bout de sa vie. Pauvre. Et il ramasse son plateau tout en tremblant et... Nakar arrive pour voir si ça va, tu vois. Oui, ça va. Un problème ? Mais il parle pas très fort et il veut pas non plus que les autres l'entendent. Et il y aura monsieur-là qui va l'aider aussi. Laissez-moi vous aider, monsieur. Il déglutit. Puis allez laver votre chemise, enfin, allez. Et il l'embarque. Il va se faire défoncer. Oh, putain. Merde. Et d'ailleurs, attends, en fait, les deux vont passer. Attends, Oui. Je peux pas essayer faire en mode attendez, je vais aider ce pauvre garçon à reviens ce pauvre vous. Garçon et tout. Tiens, en mode tu sais, il sort de m'infiltrer. Ça ne sera pas nécessaire, monsieur. Vraiment, vous êtes sûr? Mais si jamais tu le suis, le Loenki te barrera la route. Par contre, le serveur, il a vraiment l'air en mode au terrifié, secours. Quoi. Ouais, bah, j'ai compris, alors. D'ailleurs, perception. C'est un de ses supérieurs. Son supérieur qui vient de le ramasser. Perception. Ouais. Pour tout le monde? Ouais, pour tout le monde. Ah, pardon. Ah, oh, d'accord, pardon. J'ai réussi. Pas de beaucoup, mais j'ai réussi. Non, moi je suis dans mon piano. Eh bien, Nakar, tu entendras, et j'espère que ça s'entendra bien. Ah, as-tu entendu? Oui. Oh my Nakar, god. Nakar, il va froncer les yeux et serrer les dents. Il va marcher encore plus raide que ce qui marche dans son costume normalement de Chaline. Et il va dire je crois que l'endroit où on doit aller, c'est là-bas. Et je crois que le serveur qui a renversé son plateau, il vient de se faire tuer. Je viens d'entendre un coup de feu. J'hoche la tête et je lui fais signe de me suivre. Je la suis. Et j'essayerai d'attirer l'attention de Tastani. Est-ce que tu vas faire une perception pour la voir ou pas? Pas spécialement. Tu la verras. J'aurais su, j'aurais fait style, c'est moi qui ai renversé le plateau, tu vois. Bah, du coup, dès que j'ai terminé ma chanson... Je vous remercie beaucoup. Ça m'a fait vraiment plaisir de jouer pour vous. Bravo. Et je vais aller me repoudrer le nez. Merci. Oh, bravo, bravo. Merci, merci. Et dans ma tête, oh mais tu dans le sang. Il y a 5 personnes qui t'ont applaudi. Waouh, je suis une star. Ouais, c'est le début. Bah, j'avais pas de fans avant. Je roule du cul, hein, un truc de ouf. Hein, je me la
Elle est douée, cette petite. Oh oui. Et là, il y a les deux autres grenades qui vont revenir. À trois, cette fois. Oh. Oh. Bouge, Naka. Ça marche pas. Attends. Je relance. Ah, ça y est. Je sais pas ce que c'était le problème, mais des fois j'arrive pas à bouger mon token. Une fois la porte fermée, je dirais à voix basse, bah, on est dans la merde. Qu'est-ce qui se passe ? Bah, tout est gardé, on peut pas y aller. Faudrait se faire passer pour un serveur, mais apparemment, même les serveurs, ils sont sur liste. Ouais, et puis, ils ont pas l'air d'avoir de scrupules à assassiner leur propre serveur. Ouais. Le serveur qui a fait tomber quelque chose que j'ai essayé d'aider, juste après qu'il ait disparu, j'ai entendu un coup de feu. Attends. Hey, mais attendez. Il est parti tout seul, ce serveur ? Il est parti accompagné par quelqu'un. Tu serais le reconnaître ? Ren ? Est-ce que j'aurais la capacité... Tu as vu ses vêtements. Tu devrais pouvoir les reconnaître. Normalement, oui. J'ai vu ses vêtements, donc ça devrait être reconnaissable. Je fais un sourire carnassier. Bah, je vais le séduire! Et après... Ah merde! Moi, je m'attendais à ce qu'on le tabasse pour ce qu'il a fait au serveur, mais bon. Bah, on le tabassera après si tu veux. Bah, et après, le but c'est d'essayer de me faire rentrer là-dedans. Mais après, comment vous faire rentrer vous? Ah, je pensais, on pourrait peut-être aller sur le toit et essayer de passer par les fenêtres. Est-ce que mon pouvoir de liane peut m'aider pendant ce genre de truc ? Non. Non. D'accord. C'est enchevêtrement ton sort. Oui, c'est ça. Non. Ok. T'aurais eu télékinésie avec un aspect de liane, ouais, il y aurait eu moyen. Okay. En vrai, Nakar, il a des ailes ? Oui. Nakar, il fait... En vrai, peut-être porter quelqu'un jusqu'au toit, mais après, je peux pas voler très longtemps en portant quelqu'un. Mais on peut passer par la fenêtre, là, pour aller sur le toit. Ouais. Oui, sauf que là, on va être en vue de tous les gens en bas. Bah, pas de ce côté-là, de l'autre côté. Il faudrait passer là et... Oui, voilà. Sur le toit. Sauf que là, la fenêtre, elle va être en vue de tout le monde, en fait. Forcément, si on se met à plat. Ou là. Même en passant là, la fenêtre est au-dessus du toit, donc... Hein ? La fenêtre est au-dessus du toit, donc... Alors par là. Je regarde si on peut verrouiller la porte. Oui, mais si on passe... On peut, bah, je verrouille. Si on passe par... Le truc, c'est que si on passe par là, c'est pareil. Là, ça remonte. Là ça remonte, donc les gens vont forcément nous voir passer là, quoi. Pas forcément, non. Et le problème, c'est qu'après, une fois qu'on est là, on fait comment ? Parce que là, il n'y a pas d'espace pour passer de l'autre côté. En vrai, il faudrait essayer de passer là, par le toit, au-dessus de là. Là, oui. Par contre, on pourrait faire tout le tour. Mais moi, je peux porter quelqu'un jusqu'au toit, juste au-dessus, je pense, mais pas plus. Bon, par contre... Nakar, après avoir dit ça, il dit « Bon, par contre, ça me fait chier, ces vêtements. » Et il flexe un peu pour les craquer, que ce soit un peu plus simple pour bouger. Ça me fait chier aussi, mais faut pas qu'on soit repéré non plus. Oui, mais bon, s'ils sont un peu élimés, je pourrais inventer une histoire sur un tailleur qui m'a arnaqué. Ok. C'est clair que si tu flexes et que ça craque, oui, c'est crédible. Je vous propose un truc. Ouais.
Nakar et moi, on va sur le toit, et toi, Astani, tu vas pécho le mec. Oui, mais il ressemble à quoi? Il est habillé comment? Faut que tu me le décris, j'ai pas fait attention. Tu pourras le décrire sans problème, du coup, Nakar. Nakar décrit très précisément le truc. Ok, très bien, fait comme ça. On garde la même tactique, si vous avez besoin de moi. Sophie. Sachez que j'ai pas d'armes, mais je pourrais toujours contre-attaquer. Ouais, on le sait. C'est pour ça que j'aurais aimé avoir mon canabo. Mais bon, tant pis. Soyez prudents. Il va faire craquer les... Donc regarde un truc, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Il est pas visible sur la carte, mais effectivement, j'avais oublié de noter que ici. Bon, il est de l'autre côté de la grille, mais il y a un Alouenki. Oh. Alors, si tu regardes par la fenêtre, il est ici. Attends, je regarde aussi. Parce mais en soi, il regarde dans cette direction. Ouais, il faut juste pas qu'on pète la fenêtre, quoi. Non, on l'ouvre. Ouais, on ouvre la fenêtre. Refermez à clé derrière moi, surtout. Oui, oui. Pas de soucis. Bah, du coup, je déverrouille, je sors et je referme. Et moi, je vais fermer à clé. Nakar, il va ouvrir la fenêtre en grand. En regardant de manière innocente, en passant juste la tête à l'extérieur. Mmh. Il repasse la fenêtre à l'intérieur, il chuchote à Chaline. Loin qui ne regarde pas dans notre direction. Ok. Il dit par contre, il va falloir qu'on se dépêche. Je vais quand même regarder et voir si je peux pas, moi, grimper toute seule ou... C'est pas impossible. Faudra juste faire un bon jet d'athlétisme. Enfin, faudra juste faire un jet d'athlétisme. Je te laisse grimper et au pire des cas, je pourrais te rattraper. Je vais essayer de grimper. Oh! Eh ben, tu montes très bien, très facilement, jusqu'au toit. Piouf! Nakar va juste se laisser passer. Fouf, fouf. Alors, attendez, bougez pas, je vais vous copier et vous mettre sur une autre map. Sur le toit! Tac. Tac. Alors, vous êtes ici, du coup. Oh! Alors, la map n'est pas encore chargée, hein, pour moi. Ok. Alors, je vais essayer de reproduire un petit peu ce qu'il y a dehors. Au moins que tu nous mettes les Loenki, les gardes. Après, là, l'avantage, c'est qu'on... C'est qu'en passant comme ça, on est quasi invisible, en fait. Il y a des endroits pour se planquer partout, en fait. Jusqu'à ce niveau-là. Ouais. Ou même jusque-là. Et après, on pourrait essayer d'aller dans une des fenêtres, là. En vrai, plutôt que d'aller à une des fenêtres, là, parce que la salle est là. Ouais, mais il faut bien... Et par là, donc en vrai, on pourrait peut-être plutôt essayer par là, tu vois. Un peu plus loin, histoire d'être un peu plus discret. Ouais, ok. Aussi, il chuchote ça en mode... Attends, on doit pas encore bouger. Je vais juste aller voir Astani, du coup. Oui. Toi, Astani, quoi fais-tu? Oh bah, moi, je rentre et puis je regarde s'il y a le gars. Ok. Perception. Ok, tu regardes vraiment tous les individus un par un, il n'a pas l'air d'être dans cette pièce. C'est une porte qui est là? Oui. Et on a le droit d'y aller? Oui. Moi j'y vais. Ah, oh, c'est une chambre. Oui, c'est ça, une chambre. Moi, je ressors. Hmm.
Je vais interpeller le serveur, là. Mmh. Qui a-t-il, mademoiselle ? Oh, j'ai vu un homme tout à l'heure se diriger par ici. J'aurais aimé beaucoup danser avec lui. Je ne le vois pas ici. Vous pourriez peut-être m'aider, mon brave. Bien. Ah oui. Bien. J'imagine qu'il a dû descendre. Descendre ? Je veux dire dans la salle en bas ? Possible. Il y a un escalier aussi de ce côté. Qui mène aux salles des services, cuisine, qui sont accessibles aux serveurs, au personnel, aux employés. D'accord. Permettez-moi, excusez-moi si je suis un peu indiscrète. Donc cette personne a accès, donc comme vous, à ces endroits-là, alors. Il regarde à droite et à gauche, oui. D'accord, très bien. Je ne veux pas vous embarrasser plus que ça. C'est juste qu'il m'a fait forte impression et j'ai très envie de danser avec lui. Il fait forte impression envers beaucoup de personnes. Je comprends. Oh. N'ayez crainte, je ne dirai pas que c'est vous qui m'avez donné ce renseignement. Autre chose ? Il tient des verres, quelque chose ? Oui. Je vais prendre un verre et puis je vais lui faire un petit sourire. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Vous aussi. Merci. Je vais descendre. Ok, je te mets sur la map. Vas-y. En bas. Rez-de-chaussée. Je t'ai pas fait te déplacer, mais en gros, ouais, t'es bien redescendu. Ouais. Ok. C'est pas un des deux gars qui est là, c'est toujours les deux mêmes de tout à l'heure. Toujours les deux mêmes. C'était par là, hein, pour tourner dans la salle. Ouais. Oui. Ben, là, je suppose que je vais faire mon jet de perception. Ouais, c'est ça. Eh bien, tu as l'air de revoir un gars qui est... qui ressemble à la description qu'il t'a fait, qui est en train de discuter avec Félicia. Je m'en doutais. C'est lui ? Exactement. Je vais lui mettre un petit token en plus. Je vais lui mettre une couleur. Voilà. Ben, je m'approche. Il a l'air de vouloir... Pendant, il a l'air juste de parler. Est-ce que tu fais un peu les autres ou tu continues avec moi ? Je vais continuer encore un petit peu avec toi avant de faire les autres. D'accord, ok. Bonsoir. Oh, bonsoir madame. Mademoiselle. Je fais une révérence et mon plus beau sourire. Oh, j'ai pas eu l'occasion de vous demander une danse tout à l'heure en haut, après avoir terminé de chanter et de jouer du piano. Et vous vous débrouillez à merveille, d'ailleurs. Oh. Merci beaucoup. Est-ce que j'aurai ce plaisir ? Eh bien, allons-y. Merci. J'essaie de faire un signe à Démétrius pour lui faire comprendre que c'est possiblement le maître des lieux. Messieurs, dames. Il hoche la tête et puis il t'accompagne. Très bien. Tu en as le contrôle. Du coup, on va dehors. Allons dehors. Et je vais reprendre les autres, du coup. Hop. Vas-y, moi je vais me mettre dehors avec... Bon, j'accélère le pas. Hein. Alors, vous deux. Bah, moi, en tout cas, ce que je vais faire, c'est... essayer de ramper... comme ça, en étant en planquant, tu vois. En faisant comme ça, tu vois, pour essayer de pas être être vu, tu vois.
Okay. Vraiment, tu vois, genre en attendant là et en regardant avant de me mettre là et ainsi de suite, tu vois. Mm-hmm. Je vais déplacer Astani sur la map vu qu'elle est dehors maintenant. Ok. Vu qu'elle sera dehors en tout cas. Du coup, je rampe sur les tuiles en essayant de faire attention de pas mettre tout mon poids dessus. Vous êtes là. Coucou. Je vous demanderai quand même un jet de discrétion à vous deux là-haut. Oh non! Le jet! C'est bon, la dernière fois t'as fait 20! Oui, mais c'est un jeu non entraîné. Ah oui, mais t'as fait 20! Je relance! Attends, je garde le béni. Il faut me les donner, les bénis, ils sont à moi! Oh non! Oh ma fille! Tu nourris le jeu! Oui, mais bon, là c'est un peu nécessaire. Allez, s'il te plaît. Pizza MJ. On n'a pas une carte pour t'aider? Bah non. Moi j'ai juste apaisement, donc. Non. Bon bah je vais relancer un autre béni, hein. Parce que là, si on se fait choper, je pense qu'on est tiré dessus comme des lapins. Allez, s'il te plaît. Yumogwei, Wi-Fi, dit Sao. Non, tais-toi. Oh, oui, si, c'est bon. Tu vois, ça marche. L'invocation. Ah, bordel de Dieu. Ça fait longtemps que j'ai pas invoqué Uncle, donc ça a marché, c'est pour ça. Ok, donc c'est bon. Il n'y a pas de problème. Vous arrivez à marcher discrètement sur le toit. De toute façon, tout le monde a l'air plus ou moins occupé à écouter la musique, à danser. Et d'ailleurs, Nakar, tu vois Astani qui sort avec... Enfin, qui vient de sortir avec le gars, justement, que tu avais vu rentrer par l'entrée des artistes. Ok, bah il souhaite silencieusement bonne chance à distance en mode... En mode bordel, j'espère que ça va bien se passer pour elle. Parce que si le type il est capable de tuer un serveur comme ça. Ils n'ont pas spécialement dit, mais dans une des sessions qu'elles ont jouées, elles ont vu aussi des meurtres de sang-froid de la part de ce type-là. Bon. Bah, du coup, Nakar il va continuer à ramper silencieusement. Pour te donner une idée, t'as déjà joué à Fable ? Non. Dommage. Là. Il fait attention aussi pour de voir que les gardes ne les voient pas et tout. Et d'ailleurs, par la même occasion, il y a aussi un garde normalement de l'autre côté ici qui regarde la rue. En gros, à chaque entrée, il y en a qui regardent la rue. Ouais. Et ici. Ici, on va essayer de rentrer. Il va jeter un œil à l'intérieur pour voir s'il y a personne, par contre, dans la pièce. Alors... Et là, il y a quelqu'un qui est à la fenêtre en train de regarder dehors. Oh! T'es en train d'essayer de voir que ça correspond à quelque chose. Roux! Je suis un pigeon! Alors, je suis un pigeon. Ah, c'est un couloir, ok. C'est un couloir, et est-ce qu'il y a du monde? Je vais plutôt envoyer mes dragons regarder à la fenêtre, ce sera un peu plus discret. Ok. Les petits dragons. Et il y en a un. Bah écoute, je vais passer le coup. Il y en a un qui va passer, qui va regarder par la fenêtre et qui va te faire un hockey avec les doigts. Non, c'est faux. Pas pour le hockey, mais. Il va faire hockey en secouant son truc. C'est ça. En secouant les ailes. En mode C'est bon, maman. Donc, si jamais tu veux rentrer par ces fenêtres, va falloir déjà un jet d'athlétisme pour désescalader, et ensuite un jet de subterfuge pour ouvrir la fenêtre de l'extérieur. Je vais faire un jet d'athlétisme. T'as pas besoin, tu voles. Ah bah oui, c'est vrai. C'est pour moi. Quelle fenêtre, c'est ok ? Les toutes. Bah, autant prendre la première. En fait, tu vois, c'est un couloir. Je vais vous déplacer vos jetons encore. Oh là là. Mon
mon dieu, l'infiltration, Splinter Cell. Yes. Alors du coup, je t'en prie pour tes jets. Ça marche bien. Et la subterfuge. Bah tu peux rentrer sans problème. Et j'ai rappelé mes petits. Hein. Ok. Ouais. Et du coup, Nakar rentre et il se retient pour pas se laisser tomber comme une masse en arrêtant de voler. Et j'irai accroupi pour pas qu'on voit des fenêtres. Ok. Jusque là. Nakar va écouter un peu histoire de voir si on entend quelqu'un qui vient de là, là. Ok. Bah pour l'instant tu n'entends rien et Shaline, tu pourras même ouvrir la porte sans problème. Je voulais écouter s'il y avait un truc. Ah oui, ça a l'air silencieux. Et... Super. Que tu peux y voir sur les tableaux, c'est des portraits de Arthur Mordien chevanchant des pachis blancs en mode super bien représenté, magnifique. Ok, je vais aller faire un truc. Et juste, tu pourras voir aussi sur un des tableaux qui sera derrière, une où il y a peut-être son nez qui aurait été un peu raté, et un petit peu trop de peinture rouge, mais en fait c'est pas de la peinture rouge. C'est là où il a tué le... Ah non, ça c'est de la vieille, c'est du très vieux sang par oui, contre. Oui, bah il tue les peintres s'il est mal représenté. Bah écoute, là où il y a le sang, je vais lui dessiner des moustaches. Oh, c'est ce que j'allais dire, dessine-lui des moustaches. Des dents cassées, des cornes et tout. Enfin, je l'embellis, quoi. Yes. Et ensuite, j'écris un gros petit voilà. Beat. Oh! Nakar, il est à la porte, il va faire « Rajoute-lui un bouc dégueulasse !» Et je lui mets des oreilles de chien aussi. Et waouh, waouh. Yes. Dakar continue à zioter. Hein. Il fait le gay. Allez, on y va. Après ce chef-d'œuvre. Il se colle au mur, tu vois, avant de regarder vers la fenêtre et. Oh, moi je continue à croupir. Pendant ce temps-là, Stani. Eh bien, moi, je danse. J'essaye de danser bien mieux que ce que j'ai dansé avec Démétrius, hein, parce que bon. Mm-hmm. Performance. Ah oui, bah oui. Ouais, c'est mieux. Et lui, il te fait danser comme jamais t'as dansé. Très bien. Ben, alors vous êtes chanteuse. Oui, tout à fait. Bien, sachez que vous vous débrouillez à merveille. Oh. Et je serais ravi d'entendre de nouveau votre voix. Que diriez-vous de vous installer au kiosque pour nous faire part de votre magnifique voix? Oh, vraiment? Bien, ma foi, pourquoi pas? Oh. Avec plaisir. Il tape des mains en voyant le... Comment dire le groupe qui est en train de jouer en désignant le groupe. Allez, ouche, allez, on laisse la place à la madame. Ouche, on laisse la place à la madame. Qui, bah, ils s'arrêtent de jouer en plein milieu de leur morceau. Et puis, bon, d'accord, et puis... Il te laisse la place. Enfin, il reste autour de toi quand même pour t'accompagner, mais il... Mm-hmm. Il te laisse. Je le regarde. Vous restez près de moi, bien sûr. Je vous regarde. Ok. Je refais un jet de performance, je suppose. Je vais le relancer, celui-là. Ok. Vraiment que... Qu'est-ce vraiment que tu dis, Loupi? Bah, non. On n'entend pas Loupi? Ouais, on t'entend pas. Bah, t'es mute. Ah. C'est normal qu'elle dit. D'accord.
Donc vas-y, tu peux faire... Ah oui, c'est vrai que je dois te piquer ton béni. Oui, tu dois voler mon béni. Oh non. Donnez-moi vos bénis. Bon, je laisse tomber. Tu restes à bien chanter quand même. Oui, oui, je sais. Mais on va dire que je suis concentrée à regarder est-ce qu'il bouge pas. Je vais juste faire un petit jet pour ceux qui t'accompagnent. Ok. Bon, ça t'accompagne comme possible, mais ça marche bien. Ok. À la fin de ta chanson, ça applaudira. Ce sera des petits applaudissements quand même. Ouais. Mmh. Puis il te invitera à danser. Magnifique, magnifique. Merci beaucoup. Pendant ce temps-là, les deux autres. Et oui, tu voulais terminer ? Non, je continue de danser. Ok. Bah, du coup, j'écoute à la porte, voir si j'entends quelqu'un de l'autre côté. Pareil. Vous n'entendez rien à la porte. Alors, je vais l'ouvrir très doucement pour jeter un œil. Je te mets comme ça. Oh. Il s'agit d'un petit salon. Juste un petit salon. Il n'y a rien qui puisse contenir des documents ou quoi. Il y a bien une petite bibliothèque, mais pareil, des bouquins en tout genre. Je vais fouiner, voir s'il n'y a pas des trucs derrière les têtes empaillées, là. Bien cachés. Rien. Nakar va soulever la peau devant la cheminée au cas où il y a un coffre dessous. Rien, que nenni. Même le sanglier, là. Pareil, ouais. Une petite bouteille de cognac ici. Ouais, pas les couilles. 600 ans d'âge. Moi, je le vole. Oh, je le vole. Et il est entamé ou pas? Oui. Ah, bah, je le vole pas. Ouais, perception. Enfin, j'écoute aussi. Bah, là, ça a l'air de revenir sur la salle. Vous entendez les blablas de... Oh, 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 oh. Merde. Qu'est-ce qu'on fait? Attends, ça revient sur la salle? Mmh. Est-ce qu'on peut Je vais essayer d'entrouvrir la porte. Alors, je vais te demander un jet de discrétion si tu fais ça, par contre. Ouais, alors... Je le fais? Ouais, vas-y. Je dis à Chaline qu'il faudrait essayer d'entrouvrir la porte pour voir si... Et je vais envoyer Linky regarder. Après avoir entrouvert. C'est bien ces petits dragons. N'est-ce pas? Bah, il va quand même me faire un jet de perception. Enfin, même si tu entrouvres, je vais quand même te demander le jet de perception. De discrétion. Pour qui? Ah oui, non, là tu viens de faire ton jet de discrétion. Là. Oui. Ah, j'avais pas vu. J'ai fait 10. Bah, en soi, même sans envoyer Linky, tu verras qu'en fait il y a le garde, en fait, comme ça. Ah oui, d'accord. Ah, il y a un escalier. Alors, je dirais... Il y a un escalier à droite du garde. Qu'est-ce qu'on fait, il est dos à nous, le garde? Ouais. Faudrait essayer d'y aller. Ouais, je suis pas très discret, moi. Alors, je vais juste aussi faire un petit rappel sur les... Enfin, une petite précision sur les Loenki. Il est dit qu'ils ont une très bonne perception. Oui. Je le précise. Mais ça se trouve, il sait déjà qu'on est là, quoi. Je referme. J'ai une idée. Ouais. On passe par la fenêtre et on descend à l'étage en dessous. Ah non, faut monter. Alors l'escalier ici, il descend. Ah, ouais, bah faut descendre. Ouais. Bonne idée. Ah, genre, on qu'est-ce passe qu'il y a là. En dessous? Ok.
on se met là. Il n'y a pas de fenêtre. Ou alors on repasse par la fenêtre qu'on a déjà ouverte. Oui. Allez, viens. Ok. Alors, juste à l'étage du dessous, il n'y a pas de fenêtre. Ah. Il n'y a pas du tout nulle part. En gros, sur le couloir où vous êtes, il n'y en a pas. Sur l'étage où vous étiez, enfin sur la pièce où vous étiez, pareil en dessous, il n'y a pas de fenêtre. Il y a une fenêtre à la rigueur au niveau de la salle d'art. Enfin, il y a une fenêtre et c'est une petite chambre. Une chambre d'employé aussi. Ouais, mais de là, on pourra peut-être avoir accès au reste. S'il y a aussi un couloir. Ouais. Pas sûr. Le truc, c'est que de là, on a vu qu'il y avait une entrée, là. Par là. En gros, la seule fenêtre qui vous est accessible, ça serait par là. Bon, bah, faut y aller, hein. On n'a pas le choix. Il se laisse glider plutôt que de flapper les ailes. Ok, pour arriver planer, quoi. C'est ça. Il glide. Alors, je vais vous... Bougez plus, je vais juste vous bouger. Je ne demande pas de jet d'athlétisme parce que tu te débrouilles très bien pour le moment. Hop. Faut que je retrouve vos tokens là. Hop. Et je vous ai des places. Et limite, je vais même mettre Astani sur la même map comme ça. Vu qu'elle chantait dansait ici. Voilà, je vous ai fait descendre, vous êtes à droite toujours. Okay. Donc la fenêtre, je disais, elle est par là. Où ça? Là. Ah, ici, j'arrive. Ah, la vache, c'est pas gros. Qu'est-ce que t'as dit? La vache, c'est pas gros. La fenêtre. On va passer. Ça passe, mais ça passe. C'est limite, mais ça passe. Ok. Bon, faut que je croche. Oui. Bon, lui, il est passé à travers. Vring ! Je croche. Bah, ça croche tout bien. Tac, tac. Bah, les fenêtres sont petites, donc on a un peu moins de risque d'être vu. Il y a quoi dans les coffres ? Des chaussettes, des slips. C'est des trucs d'employés. Mais tu vas pas voler des employés. Mais je vais pas les voler, mais je me suis dit qu'on pourrait peut-être se changer. Parce que tu crois qu'il y a ça va finir en Hitman, ça va prendre la forme des autres. Ça peut marcher, hein, en vrai. Si vous avez de la performance. J'en ai pas. Moi non plus, donc... Bon, allons-y. Donc pareil, j'écoute. Je vais ouvrir et regarder. Ok, c'est... Perception. Discrétion, non? La perception, pour l'instant. Donc, en soi, le couloir, il a l'air plutôt calme. Vous savez qu'il y a le dehors en passant par cette... Bah, de toute façon, vous voyez la fenêtre par ici, vous voyez que c'est dehors. La porte principale qui mène dehors aussi par là, qui est de souvenir, elle est gardée. Oui, ouais, ouais. Et très certainement aussi par un autre dans le couloir, enfin, à l'extérieur du couloir. Mais là, le couloir, il a l'air calme. Mais de loin, surtout Nakar, tu pourras entendre que c'est bien au-delà du couloir que vous entendez, que tu entendras les cuisines. On va se rapprocher des cuisines. Ouais, ça veut dire que c'est pas là non plus, on cherche un putain de bureau. Et là, Nakar, il va se frapper la tête et se dire « Attends, ce serait pas du côté de la porte qui était gardée, de là où on est parti ?» À côté de là où on est parti? Si, je crois. Oh, merde. Demi-tour. Quand même regarder dans le couloir. Ouais. Bon, faut qu'on remonte et on va choisir une autre fenêtre. J'en ai ras le cul. Cette putain de robe de couille. Je vais vous remettre à l'étage. Pas au... Au toit. Pour l'instant, là, Astani. Et donc, du coup, vous êtes chanteuse. Vous comptez vous en faites votre profession? Oh, j'aimerais beaucoup, oui. Oh, vous n'avez pas le renom nécessaire.
Oh, malheureusement, non. C'est bien triste. Oui, que voulez-vous ? Les vrais artistes ne sont pas forcément toujours aidés au début. Certes, certes. Et vous ? Aurais-je l'audace de vous demander qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Oh oui, vous avez beaucoup d'audace. Et ça, j'aime bien. Mais c'est un bal masqué, non ? Chut ! Je vous ai quand même révélé ma douce voix, non ? Vous me l'avez révélé bien avant de chanter, madame. Oh, vous êtes vraiment un flatteur. J'adore ça. Je mets juste des jets parce que j'ai envie qu'il se passe un truc. Oh non. Ça s'est passé. Pendant que tu parles, il y a un des violonistes qui a une de ses cordes qui lâche. Et à la seconde où ça arrive, le gars à qui tu parles, il sort un flingue et il l'exécute devant tout le monde. Ah d'accord. Ah la vache. On l'entend, nous ? Perception pour vous deux. Quelle sombre merde, ce type. Mais putain. Mais c'est quoi ce taré ? Et dans la foule, il y a bien évidemment des gens qui sont un peu stupéfaits et d'autres qui sont ouais. Il y a pas une ou deux nobles, une ou deux bourges qui font en mode oh mon dieu. Ah si, il y en a. Ah si, il y en a. Ah mais putain, mais sérieux, quel taré. Ah, c'est quoi ce bordel? Ah la vache, tu m'étonnes que Félicia, elle veut pas lui vendre le long truc. C'est le méchant. C'est le méchant. Veuillez m'excuser, j'ai horreur que les choses ne soient pas parfaites. Oh. Vous êtes tout excusé, je comprends. J'aime aussi la perfection. Et j'aime aussi cet acte de pouvoir que vous venez de me prouver. Oui, je fais souvent cet effet. Oh, c'est un but de lui-même, au secours! Je papillonne des yeux. Et je me rapproche un peu de lui. Bah, non. J'ai envie de vomir. J'ai envie de vomir. Ah, mais attends. Et le reste des musiciens, d'ailleurs, ils continuent de jouer avec une goutte de sueur. Attends, mais il y a des trucs ici aussi. Ça se trouve, il est là, le bureau. Parce que ça, c'est ça. Genre, ici... En fait, je vois pas tes pings. La... Ouais, attends. Tu vois mon trait, là ? Ouais. Ça, on sait que c'est la salle. Ça, voilà, on sait que c'est la salle. Par contre, ici, on sait pas ce que c'est. C'est un truc qui était gardé par un Loenki. Donc il y a potentiellement ici. Non, je crois que là c'était une chambre d'amis. Et ici. Parce qu'on est parti de là, nous, donc. Nous on est parti d'ici. Mais c'est. Faut qu'on teste les trois là. Ouais. Après, tu veux qu'on regarde par la fenêtre ce que c'est là-bas ? Ouais, juste vérifier, tu vois, genre. Je vais envoyer mes dragons regarder ce qu'il y a là-bas, à la limite. Bah, tu sais quoi ? Ils vont aller regarder là et là. Ça va, c'est des bestioles sauvages où personne va se préoccuper. Oh, qu'est-ce qu'ils font ? Ouais. Qu'est-ce que c'est ? Pendant qu'on avance, nous. Ok. Je vous laisse avancer le temps qu'ils fassent leur petite machin. Je regarde ce qu'il y a de l'autre côté déjà. Je prends en compte qu'ils regardent et le premier étage et... Oui. Et le second. Et le rez-de-chaussée. Donc là, en attendant. Et vous avez bien entendu le coup de feu et tout le bordel aussi. J'ai vérifié si c'était pas Stani qui était morte. Non, et d'ailleurs, vous avez vu la scène et le cadavre est toujours là. Super. Ah, ça donne envie de bosser pour lui. Ah, bah c'est bien payé par contre.
Et bah... Si tu survis. C'est ça. Donc les dragons, ils arriveront tous, ils feront tous sur les... Donc au premier étage et au rez-de-chaussée un nom de la tête. C'est pas ce qu'on cherche. Mais bon, ils sont pas censés être si malins que ça, mais voilà. Attends. Nila, c'est ce qu'on cherche? Ouais. Quoi? Mais il est où ce putain de bureau? Ça se trouve, c'est là-bas. Mmh. Et dans les tours, là, il y a quoi? Des escaliers. D'accord. Juste les escaliers. Mais du coup, là. Ici, on peut vérifier si on sait s'il y a des fenêtres ou quoi? Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'étage ici? Bah, il n'y a rien parce qu'il n'y a qu'un rez-de-chaussée déjà. Ouais. Et donc, oui, il y a des fenêtres, vous les voyez d'ici. Et je peux vous demander d'ici à la limite un petit jet de perception. Ok. Je ne perçois pas. Et je ne nourris pas le MJ non plus. En soi, si vous vous rapprochez, vous pourrez ne pas avoir besoin de jet de perception. Moi, j'ai fait 4. Ah oui, j'avais pas eu ton 4. Bah, tu vois que c'est une pièce où il y a l'air d'avoir quand même quelques papelards. Là-dedans? Ouais. Je pense que c'est là-bas. Il y a des fenêtres? Il y a des fenêtres. Bah, justement, tu les vois à partir d'une fenêtre. De ce côté-là, là? Ah. Oui, mais. Ah oui, est-ce qu'il y a des fenêtres par là? Non. Alors, attends, où sont les fenêtres? Bah, il y en a partout. Okay, ah bah oui. On aille là-bas. Ok. Je vais vous mettre à l'étage rez-de-chaussée pour vous montrer. Alors attends, vous êtes où là? Ah oui, vous êtes là. On est là-bas. De toute façon, on y va donc. Je vous fais passer comme ça. Il y a des fenêtres. Ah, je vois rien. Je suis où? On est tout à gauche. C'est bon. Bon, Nakar, il poussette vite fait ses habits au cas où il se fasse. On va crocheter, hein. Mm-hmm. Vas-y, pendant que. Astani, je sais pas ce qui se passe de ton côté. Est-ce que ça me dirait que vous et moi, nous allions faire un petit tour dans ma chambre? Et je pense que le simple fait d'avoir sorti mon petit bijou, ça vous a révélé qui j'étais. En effet. Vous êtes plutôt direct. Je n'aime pas perdre mon temps. Je vois. Ouais, il aime pas l'imperfection, il aime pas perdre son temps. Il se passe quoi quand on le refuse? Casse toute la famille. Oui, c'est ça en fait. J'ai peur de refuser. suis un peu plus du cul là. Tu n'auras pas quelqu'un qui refuse ses avances. T'es pas à ses ordres et t'es potentiellement une noble, donc ça lui porterait préjudice. Mmh. Ouais, ouais. Enfin, quoi. Je préférerais avant. Faire une petite balade à votre bras si ça ne vous ennuie pas avant de passer aux choses sérieuses. Bien évidemment. Par la tête de Stanley. Au secours! Oui, c'est ça. Au secours! Donc oui, du coup, Chaline, tu peux rentrer. Et tu as toujours le contrôle dessus, je crois, Stanley, si tu veux te balader. Oui, bah en soi... est-ce que je les ai vus sur le toit, moi? Tu as pu, si tu y prêtais attention, les apercevoir qui se baladaient sur le toit, là, ils le sont plus. Ouais. Mais est-ce que j'ai vu où est-ce qu'ils allaient? Dans cette direction. Là-bas, hein.
Il y a Stani qui va faire... Il y a Chaline qui va faire coucou par la fenêtre. Hello. Je finis Donc c'est par là-bas, hein, c'est ça. On voit pas ta flèche. C'est par là. Ah oui, non, mais c'est vrai, parce que t'es pas sur la même map. Oui. Voilà, ça sera mieux, là. Donc par là. Ouais. Ok. Oh, merde. Nakar, donc... il va regarder les trucs au... les rayonnages sans rien comprendre. J'ai de recherche pour vous deux. Oh non. Bah, je l'emmène le plus loin possible de là-bas. Allez. Oh. Oh. Oh, GG. Oh, merci, mais je viens d'entraîner qui fonctionne. On est juste là pour l'instant. Il fouille partout. Mais je... Oui. Pas le faire pipi. Oui, je comptais y aller aussi. J'attends juste le jet de Chaline. Mais j'ai fait zéro. Ah oui, pardon. Ah oui. Oh, ben, c'est... je l'avais pas vu non plus. Je l'avais pas vu non plus. Du coup, pousse pipi et puis je vais faire la description de ce que tu verras. Ok. Attends, et là, le mec a des preuves que c'est un trafiquant de chair humaine et tout. Oh bah sûrement. Hein. Mais pire que ce qu'on pensait déjà. Oh bah sûrement. Hein. Mais encore pire que ça. Bah ça m'étonnerait pas. Mais... Oh... Ce mec est un psychopathe. Lui, quand il était petit, sa maman elle lui a jamais dit non. Et voilà ce que ça donne. Aïe, aïe, aïe. Je suis sûre que si on lui rappelle sa mère, il se met à pleurer. Maman, il suce son pouce. Oh, la référence. Le prince Jean de Robin des Bois. Oui. Maman! J'ai entendu rire en chiotte! Oh, maman! Pardon. Mais du coup, il est où le serpent? Quel serpent? Ben, le serpent conseiller qui est juste utile. Ah, il est où? Je ne sais pas. Persifleur! 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 Maman! J'entends le rat du renne en arrière-plan. Ça va. Je me mute sur Discord, mais je crois que le stream, lui, il m'entend toujours. Bref. Du coup, ouais. Nakar, oui. Tu fouilles. Astani, toi, tu tombes sur pas mal de papiers, souvent, surtout des contrats de travail. Chaline, tu tombes toujours, surtout sur des contrats de travail, toi. Oui. Et quant à toi, Nakar, à un moment, tu t'es... poser la question sur, bah tiens, mais tout à l'heure, Chaline, elle avait soulevé des pots de... enfin, des trophées dans un autre salon, et si je bougeais ce tableau? Et effectivement, au-dessus de la cheminée, ici, il y a un tableau que tu bouges, qui... bah, il y a un coffre-fort dessus. Enfin, dedans. Enfin, de l'autre derrière. Chaline? Oui, je crois que c'est là. J'arrive. Ok, faut le crocheter. Bah, alors, oui, c'est un coffre à code. Oh putain. Tu sais, les trucs qui se tournent. Ouais. C'est crochetable. Fais fondre la serrure. Oh, j'avoue. Ça marchera pas comme ça. Zut. Oh. Ah, c'est beau, ça. J'allais te le dire à moins deux. Ouais, donc... tu poses ton oreille sur le coffre. C'est vraiment en mode cric-cric-cric-cric, tu tournes le machin. Ouais. Clic. 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 Clac, ça s'ouvre. Ok. Et dedans, il y a plein de papelards. Je regarde. Dont un marqué, haha, je vous ai bien niqué. C'est faux. Signé Zangdar.
Et en regardant un petit peu les papiers, donc vraiment plein d'actions dedans, des duplicata. Mmh. Et il y en a un avec le nom de Félicia dessus, effectivement. Enfin, pas le nom de Félicia, pardon, c'est le nom de Cyril. Cyril, oui. Cyril, j'ai plus son nom complet. Cyril Hanouna, non. On s'en fout. Le mari de Félicia. Le mari de Félicia. Ok, je prends. Y a d'or. Alphen, c'est ça. Et non, il n'y a pas d'or dedans. Il y a d'autres trucs qui peuvent être intéressants. Non, c'est que des actions. Et si on les brûle? Est-ce qu'il est ruiné? Non. Est-ce que nous, on peut les récupérer pour les revendre? Non. Mais sérieux, c'est pas drôle. Il y a pas d'or dans son coffre. J'ai dit non. Il écoute pas. Bon, ouais. Eh ben, écoute, je prends le duplicata, je referme, je remets tout en place. Et vite, faut qu'on se barre. Eh ben... Ouais. Propose, on va qu'à retourner sur le toit et retourner dans la chambre où on s'est enfermé. Si on faisait un peu de feu, de façon à ce que la peau se prenne feu devant la cheminée, comme ça, son truc part en fumée. Non, pas de feu. Allez, on y va. D'accord. Donc, on va remonter sur le toit. Mmh. Et retourner à la chambre. Dans la chambre. En soi, il n'y a pas besoin de monter sur le toit, vu que la chambre, je crois qu'elle est au-dessus. Attends, je regarde par rapport. Ah, elle est au premier. Ouais, elle est au premier. Bah, en fait, oui, sur le toit au-dessus du couloir. Oui. Et la chambre, vous y accédez très rapidement. Bah, la chambre où on était, où on a fait semblant de ken. Et vous allez redescendre après? Parce que je vais pas vous changer de map pour vous recharger de map. Oui, on va redescendre. Bouge pas, je vous remets par l'escalier. On bouge pas. C'est juste faire genre oh là là, qu'est-ce que c'était bien. Pendant ce temps-là, à l'intérieur, bah, peut-être falloir que je fasse bouger un petit peu les gens. Dakar, il va grommeler des trucs du genre « Ah, saleté de tailleur, il m'a arnaqué, il va falloir que je retourne récupérer mon argent, gna. » Performance pour que les gens y croient, t'es bobard. Là. Pour ton jeu d'acteur. Ça peut pas être persuasion. Performance. Une persuasion, si tu veux, allez. Pendant ce temps-là, oui. Stani, tu passeras devant deux nanas qui... Yes. Ah oui, qui colportent encore des ragots. Ah oui, il y en a qui ont baisé dans les chambres là-haut. Là. Et puis elle te voit. Et puis... Enfin non, elle te voit, c'était pas toi qui baisais dans les chambres. Donc. Non. Moi, je suis montée, j'ai écouté. Enfin, j'ai écouté, je suis allée aux toilettes, quoi, mais... J'ai fait mon 5. Bon, ça passe crème, du coup, normalement, ton... Ouais, ça passe crème. Enfin, tu sais quoi, on parlera à Félicia qui parle à d'autres personnes. Oh, mon Dieu. Et d'autres personnes qui diront... Ah oui, bah ça, justement, nous, on à l'étage, il y a eu d'autres personnes aussi qui ont fait leur affaire, parce que c'est, apparemment, c'est assez courant, quand même. Bah oui. Je dirais juste à Nakar à chercher Félicia, je vais chercher Stanley. Tac tac, au passage Nakar il chope un petit four parce que bon, c'est bah, mignon, ils c'est bon, hein. Mais ouais, mais ça nourrit pas ces trucs. Excusez-moi, il va faire, excusez-moi, je cherche à parler à Madame Félicia. Ah, mais pardon, excusez-moi. On va dire son nom. Ah oui, bah, ouais. Il faut pas dire le nom, monsieur. Ah oui, bien sûr, petit coquin. Il vous les faut toutes. Nakar ne va rien dire. Il regarde Félicia et... Et il propose de parler affaire. Ah oui, bien sûr. Si vous voulez bien m'excuser, madame. Oui, je vous en prie, allez-y. Dit-elle d'une voix gracieuse et... Oh. On s'en reste.
et Enchantress. Mm-hmm. Je vous suis. Hop. Bah, du coup, je les amène dans un coin un peu plus... je les amène à un endroit un peu plus tranquille. Juste en attendant, Chaline. Oh, très cher, vous étiez ici. Pardon, mon bon seigneur. Très cher, je vous cherche. Vous avez loupé ma performance. Oh, je suis navrée, j'étais avec mon ami plus haut. Je suis navrée, très cher, mais il va falloir que nous rentions. Nous avons affaire, vous savez. Oh, déjà. Oh. Très bien, je comprends. Eh oui, navrée. Mais ce bal était vraiment somptueux. Je me suis amusée comme jamais. Eh bien, je suis ravie que ce soit le cas, mesdames. Je crois que ça restera notre meilleur souvenir. Oh oui. Et vous, monsieur, vous vous êtes amusé? Merveilleusement bien. Parfait. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Très bien, merci. Je lui souhaite une bonne soirée, puis tu sais, je lui tends ma main pour qu'il me fasse un baise-main, là. Mm-hmm. Donc, il te fait le baise-main. Et je me sauve. Et juste, Nakar, juste, il y a le monsieur qui passera, qui discutera un peu avec Félicia pendant que tu... au moment où tu... Enfin, qui vous interpellera. Mm. Nakar va essayer de discuter en vaguement. Oh, bien le bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Bien, j'ose espérer que vous passez une agréable soirée tout ce temps que vous êtes. Oui, à part mon tailleur, comme à part que mon tailleur m'a arnaqué. Comme vous pouvez le voir, mon costume s'est déchiré. Je pense qu'il m'a vendu de la camelote pour plus cher que ça ne l'était. Ah oui, j'imagine. C'est... Pardon ? Moi, personnellement, je ne prends que la perfection. Si vous voulez que je vous donne quelques adresses. Oh, ça ira. J'irai récupérer mon argent. Mais je vous remercie de votre proposition. Bien, je ne vais pas vous... Je ne vais pas vous retenir bien plus longtemps que cela. Passez une bonne soirée. Vous aussi. Oui, bonne soirée, monsieur. Tu peux avancer. Hein. Je les attire plutôt dehors. Et juste au moment de franchir le... La porte. Oh, et j'oubliais. Il s'adresse à Félicia. Vous aurez très rapidement ce que vous m'avez demandé. Et encore navré pour le deuil de votre mari. Oui, très rapidement, ça veut dire qu'il l'aurait encore fait poireauter un moment, quoi. Et j'apprécie beaucoup vos... Nouveau compagnon. Mmh. Merde. Il s'approche, mais toi, tu l'entendras. Mais ce n'est pas la peine pour eux qu'ils aillent fouiller mon bureau. Mmh. Il sourit, puis il s'en va. Il est au courant. Mais on a été discret. J'ai l'impression d'avoir fait tout ça pour rien. Je pense que c'est les loups qu'on castait. Bah oui. Ah putain. Ah non, le bon, pour spoiler, les loups, eux, ils vous ont vraiment pas calculé. Et c'était eux qu'il fallait pas qu'ils vous calculent. Mais c'est qui nous a calculé pour qu'il le sache? Lui, je pense. Il a peut-être des caméras. Ouais. Non, les caméras n'existent pas. Bon, j'en sais rien. Il sait tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, mais alors, le truc, c'est... Il a dit, il n'y a pas besoin d'aller fouiller, mais il sait pas qu'on a pris les trucs, parce que sinon, il n'aurait pas dit à Félicia, vous aurez rapidement le truc.
Je sais pas. Justement. Ah, c'est ta interprétation. Je m'en fous parce que s'il était vraiment au courant, il serait en train d'essayer de nous tuer. Vu ce qu'on a fait dans la salle d'art, on serait mort. Ah, justement. Oui, c'est pas faux. C'est, ça me permettrait de rajouter un petit détail. Et vous avez d'excellents artistes parmi vos compagnons. Oh putain, mais genre non ! Ça pourrait très bien être Astani qui chante bien, qui sait. Ah, interprétation ! Le salaud. Bon, on peut rentrer ? Oui. Allez, on s'en va. Je vous passe le chemin. Ok, à peine rentré, j'enlève ma robe, j'en peux plus. Sur le chemin, Nakar, il finit de craquer le costume et il en a marre aussi. Moi, je suis pas très 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 bien par contre. Hein. J'ai quand même vu quelqu'un se faire tuer juste à côté de moi. Je suis pas forcément très très bien. Ça va, Stani ? Oui, oui, oui. À part que ce pauvre violoniste est mort juste à côté de moi. Ouais, je comprends bien. Vous auriez pu éviter de craquer le costume, il coûtait quand même une certaine fortune. Je vous rembourserai, mais. Bon, quoi qu'il en soit, vous avez réussi, et ça me retire une bonne épine du pied. Je lui donne le document. Et regarde le document quand même, pour être sûr. Mais c'est pas ça Et elle soupire de soulagement, et limite elle se pose sur son fauteuil, genre, vraiment, ah. Super. Tous les deux, vous avez assuré. Toi aussi, t'as détourné le mal. Ouais. Ouf. J'ai un frisson rien que en pensant à lui. Tu veux un saut pour gerber? Ça doit aller. Nakar, il va claquer des dents en mode... ce type, je l'aurais bien cassé la tête. Assassiner des gens comme ça juste parce qu'ils sont pas absolument parfaits. J'aurais su, j'aurais fait semblant d'avoir heurté le pauvre serveur. Pas rien, c'est un malade mental, c'est tout. Mais il va être encore plus furieux quand il verra ce qu'on a fait dans la salle d'art. Qu'est-ce que vous avez fait ? Bon, il y avait un portrait de lui avec du sang. On a retrouvé ses portraits. Ouais. Oh, c'est génial ! Moi, je voulais faire cramer son bureau, mais Chaline m'a dit non. Oh, je suis pas sûre que j'aurais pu couvrir votre barbecue, là. Bah, il n'y a pas besoin que ça parte d'un seul coup en grosse fumée. On fait style, une braise s'est échappée du foyer, elle est tombée sur la peau, devant le... Mm-hmm. Non, parce qu'après, il va tuer tous ses domestiques, là. Oui. Pas que j'en ai quelque chose à foutre, mais ils sont pour rien, les pauvres vieux. C'est vrai que si ça retombe sur les domestiques, c'est pas cool. Bon. Dakar va se débarrasser du costume. Il a juste fait péter la veste. Hein. Mm-hmm. Le reste du costume est en bon état et il va reprendre ses habits habituels et prendre son arme en mode « Ah !» Mon bébé. Non, moi j'ai encore ma robe. Presque. Presque. Bah, comme il a dit, c'est l'arme de son ancêtre, donc il y tient fortement. Ouais, d'ailleurs, on vous aura rendu vos armes ensuite. J'ai écrit une petite bite sur son portrait. Oh, j'aurais... Félicia rigolerait. Félicia va rigoler à ça. Et juste, elle vous dira donc du coup, bon, je vais pouvoir vous libérer, vous pouvez vous reposer, vous aurez votre paye... Et prochainement. On va plus prochainement que lui vous a promis le duplicata, j'espère. Ça sera juste le temps de revendre les actions. Ok. Puis au moment où de vous libérer, qu'elle vous envoie monter dans vos chambres, elle. Bah déjà en fait elle va choper Astani pour lui faire un câlin. Oh, d'accord. Bah, pareil pour Nakar, et ensuite elle se rapproche de Chaline, mais bon, bah non, du coup. Non, merci.
Elle tend la patte au moins pour la serrer. Je lui serre la patte. Elle te fait un petit sourire. M'abuse pas. Merci. Ouais, de rien. Nakar, il s'incline dignement. Comme un guerrier. Oh, moi, j'aurais rendu son câlin en mode oh, « t'es ma copine !» Ah, oh, au fait, il se peut que j'ai propagé quelques petites rumeurs. Je les ai entendues. Merci. Bah quoi, merci, c'était marrant, ils gobent tous ces putains de nobles. Ouais. Ils ont même gobé votre partie de jambe en l'air, qu'est-ce que c'était drôle ça? Ça aussi, j'ai entendu. Nakar va poser la main sur les yeux et va dire pourquoi j'ai accepté de faire ça. Oh non, mais c'était génial comme divertissement. Eh, c'est bon, on a juste claqué des chaises sur un parquet. Bon, je vais me laver et me reposer. Oui, reposez-vous, vous l'avez mérité. Donc j'irai là-haut. Dans les prochains jours, donc vous serez payé le lendemain ou le surlendemain pour ce que vous avez fait. Elle vous demandera un dernier service. Ça serait de rester en tant que garde du corps le temps d'un mois pour voir comment les choses évoluent. Elle vous paiera à la fin du mois, bien évidemment. Et ensuite, elle vous libérera. Ok. Bah, moi, j'essaie toujours de négocier mon salaire pour avoir plus. Juste avant de mettre fin à la session... faut que je réfléchisse, attends. Parce que j'avais un truc en tête, mais je l'ai pas marqué, et il faut que je m'en souvienne. Non, ça sera pour la prochaine session. Comme ça, ça sera clair, net et précis. Un mois passera. Ok. Sans problème. Sans problème. Ok. Étant donné qu'il y a un mois et les dépenses de tout et de rien de tous les joueurs, à moins que vous me dites qu'il y ait des économies de fête, vous mettez tous votre dé de richesse à D6. Non, moi j'économise. Hein. Comme t'économises, tu le remets à D6, mais tu auras un plus... T'avais combien en dé là actuellement? D8. Moi tu auras un plus 1 sur tes prochains achats. Parce qu'en soi, j'ai rien à payer vu que je suis nourri, logé. Mmh. Oui, mais il y a toujours des petites dépenses quand même, par-ci par-là. Bah, éventuellement des balles. Ouais, voilà. Et vous avez tous un avancement, bien évidemment, bravo. Le level ouais. Up. Pour prendre une nouvelle compétence et. Je peux prendre qu'une nouvelle compétence ou je peux prendre une nouvelle compétence plus en augmenter une autre? Tu peux en augmenter une autre et avoir une nouvelle compétence. Ok, tant que ça dépasse pas le dé comme d'habitude. Mm-hmm. Ok. Et moi, je peux prendre un nouveau sort du coup? Oui, deux nouveaux sorts parce que quand tu prends un nouveau pouvoir, tu peux prendre deux sorts. Je peux prendre deux sorts? Ouais. Cool. On dira ce qu'on a fait pendant un mois la semaine la prochaine session. Ouais. Ça marche. Bah, je vais regarder dans le truc des stars. Quoi qu'il en soit, j'espère que la session vous a plu et que les tensions étaient réelles pour certains. Oui. Là, j'étais pas très bien. Avoir un double canon scié face au crâne. Easy. Parler à un riche. Mais non, mais je sais pas, il est malsain et tout. Non, mais il est méga malsain, le type. Attends, il y a un serveur qui était complètement mort de fatigue. Il était pas mort de fatigue, il était juste... une fois après qu'il ait fait tomber son machin, il était terrorisé. Car il savait. J'aurais vraiment dû... J'ai hésité à le faire, mais j'aurais vraiment dû faire le « Oh mon Dieu, excusez-moi, c'est moi qui vous ai fait tomber. » J'aurais peut-être sauvé la vie. Non.
Peut-être. Il... Non, je pense pas. Bon, enfin bon. Ouais. Tant pis, après, le fautif, c'est le connard. Donc, Bah oui, clairement, gros con. Alors, mes sorts. Bah, en tout cas, c'était cool. Ah, ouais. Oui. Et nous, tu trouves qu'on a géré? Ouais, et ton micro qui s'est mis à... Ouh, d'un coup. Oh merde. Pardon. Je change ça. Moi, les jets de discrétion qui étaient bien nuls. Mais bon, c'est normal, c'est Nakar. Bonjour. Voilà. Ouais, vous avez géré de ouf. Bon, je pensais que vous alliez trouver le bureau plus vite parce que j'avais plus ou moins mis en évidence le fait que vous passiez devant à côté avec les fenêtres. Si vous regardez un petit peu autour, vous l'aurez vu tout de suite. Mais c'était drôle que vous ayez tout visité aussi. Ou presque tout, parce qu'il y avait la cave. Je me suis dit à un moment, ils vont vouloir trouver la cave. Oh, mais j'avoue, on a tout fait là. On va trouver la cave, on va voler le jambon au Serrano. On vole le jambon au Serrano et le caviar. Mais comment il a fait pour savoir? Les secrets du jeu. Ruru! Anne! We need answers! Ta femme. We need answers! No. Please? Non. Le stream est coupé? Pas encore. Ah d'accord. De toute façon, y a personne là. Oh là là. Bah en même temps, vendredi après mon semaine. Ouais, voilà. Dommage. Voilà, voilà, voilà. La semaine dernière, c'était bien, il y avait du pognon. C'est même pas, il y avait des gens, il y avait du pognon. Du pognon. Et oui, mon petit Bob, oui, il aime bien le pognon. Oh la vache. Je suis éclaté la voix. Vous avez aimé la performance de Chaline en tant que noble? Ah oui. Ah ouais. Oui, Parfait. Bon allez, sur ce, je mets fin au stream ici, de suite, et je vous dis à la prochaine. Normalement, dimanche, pas prochain, mais le prochain d'après. On verra bien, de toute façon, ça sera dans le programme, hein, ou on rediff sur ici ou YouTube. Voilà, zobé. Zobé, au revoir.